Whatever. Bonjour. Eh, bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Il faut que je me fasse à manger, donc je suis partie chercher à manger, de quoi faire à manger. Sinon, j'avais fait des cookies et des chocolats chauds. Oh, moi, je voulais faire des donuts. Hein? Je me suis dit, je fais des donuts ou je fais des cookies? Non, mais du coup, je suis partie chercher des petits trucs. Et il faut que je me change aussi parce que j'ai pas de tenue pour aller à la pêche et j'arrive. Vous êtes déjà tous là-bas, c'est ça? Non, non, on est à la fonderie, on est quand en train de bosser, donc t'inquiète. Ok, ça marche. Donc t'en fais pas, t'es pas en retard. Moi je vais repasser à la maison chercher ma canne à pêche déjà, puis le... Ouais. Que j'ai préparé à manger. Oh non. De quoi? Oh non, le stock du magasin il est vide. Oh, j'ai envie de clamser. T'es parti à pied en plus, je pars. Non, 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 j'ai la cliff. J'ai la cliff de Nolan. C'est parti. Hop, où est-ce qu'il y a une... Puis c'est super loin, la prochaine. Voilà. L'enfer. Ah bah, je vais finir par aller acheter des burgers, hein, parce qu'à un moment donné... Des burgers, t'es sûr de ça, toi? Bah oui, des cheese, quoi. Ah oui. Oui. C'est comme des hot dogs, quoi. Est-ce qu'il y a des cookies Mais oui, mais j'ai genre très faim, j'ai vraiment plus grand chose, donc je vais pas manger exclusivement que de cookies. Si. Pourquoi pas? Un régime cookie. C'est vrai que ce matin ça peut être pas mal. Mais je voulais m'acheter du lait pour me faire du... Oh non, non, c'est bon. À un moment donné, je voulais me faire du riz au lait, là. Parce que t'as la recette du riz au lait, toi? Ah oui. Mmh, tu m'intéresses? Je t'intéresse, ok. Ouais. Eh bah oui, j'ai du riz au lait. Intéressant. Oui, c'est pour ça que je voulais en offrir ce matin. S'il y en a pas là, je les défonce. T'es de bonne humeur, toi, ce matin, dis donc. Ouais, je me suis dit qu'il fallait que je colle à l'ambiance qu'il allait y avoir, non? Comment ça? Quoi coller à l'ambiance? Allez, on y croit. Tu penses que ça va être quelle ambiance? Je sais pas. Moqueuse. Moqueuse? Oui. Pourquoi moqueuse? Je sais pas. Ok, il y a ce qu'il faut, ça c'est parfait. Tu sais, celui qui risque d'en prendre le plus dans la tronche, c'est moi ce matin. Donc... Let's go. Hop. Parce que je les connais, ça va sortir des dossiers, etc. etc. du riz. Je sais pas s'il en faut, mais je vais en prendre un peu. Attends, j'ai tapé des SMS pour prévenir tout le monde. Du chocolat, je vais en prendre un peu, juste un peu. Et ben, je crois qu'on est pas mal. Il faut du lait, du chocolat pour faire du chocolat chaud, de la farine, ah, du beurre. Non, du beurre, on le fait à la maison, c'est ça? Il faut deux trucs de lait pour faire du beurre. Oh, terrible ça. Ça en fait beaucoup. J'ai pas pris la canne à pêche, putain. Moi non plus, j'en ai pas. Il faudrait que j'aille en chercher une. J'en ai une, mais elle va. Je sens qu'elle est toute fragile. Hop, je vais en prendre 5. Ouais, j'ai pas de place. Eh ben, on va faire avec ce qu'on a, hein, j'ai envie de te dire. Allez, hop. Tu fais quoi? Tu vas toute seule chercher ta canne à pêche? Tu peux pas te charger? Non, ce qu'on peut faire, c'est... Tu viens à la maison, je finis de préparer à manger, et puis... Et puis après, on y va. Allez, mon dieu. Allez, let's go. Là, j'arrive à la maison, je prépare à manger, et puis je suis prête. Ça marche, moi j'arrive. Allez, tout de suite. Thank you.
Ah. Alors. Donc si on met juste un petit pot de lait. Et du chocolat. Ça fait des Chocapic. Oui. Du lait. Du chocolat. Oui. Ah oui, ah oui. Oui, mais... Ah. On a dit... Est-ce qu'on a du beurre? Donc il faut qu'on fasse du beurre. Hop, cuisiner, ingrédients. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ok. Un pot de lait entier, un sucre, un œuf. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Oui, j'ai pas fait de. Et du coup, on va essayer de prendre une recette. Farine, du beurre, sucre, fraise, spire. Ok. Et ensuite, chocolat. Du sucre. Et où le sucre? Farine. Un peu de farine. Et du beurre. Oui. Allez. Eh ben, je suis contente. Au moins, on a un peu... J'ai pas assez d'ingrédients. Terrible. Coucou Tex, et coucou Itko, et coucou One Begin TV. Merci beaucoup pour le follow d'ailleurs. Et oui, 330, assez fou en vrai. Assez fou. Comment ils vont? C'est beaucoup trop matinal ici, c'est beaucoup trop matinal, mais on a un petit rendez-vous pêche avec du monde. Hier, j'ai joué toute la journée, pratiquement, mais j'ai fait beaucoup de compta en fait, et beaucoup de paperasse. Et j'avoue que c'était plutôt mieux en offline. Bah écoutez, c'est dimanche, je peux chill. J'ai rien de prévu ce week-end à part juste chill sur l'ordi. Cet après-midi, je me tâte à... Si j'ai bien avancé sur le RP, sur les paperasses RP, etc., je me tâte à faire un autre jeu qui s'appelle Dordogne et qui a l'air juste trop beau. Et du coup, bah on verra bien. On verra bien si j'ai fini tout ça. On va pouvoir voir, j'ai un autre jeu. En vrai, si j'arrive pas à télécharger Dordogne, que j'ai la flemme, je sais pas. Quoi que ce soit, ça va être les Sims. Ou
Et ça sera juste pour embêter Chrono. Je vais me faire un petit online de Red Dead. Juste pour me balader sur Red Dead. Et j'ai jamais fait Red Dead en live, alors en vrai. Juste chill, aller chercher des trucs à faire à manger, tout ça. Bah non, j'ai pas assez d'ingrédients. Terrible. Pourquoi j'ai pas assez d'ingrédients? Ah, j'ai plus de sucre. Ah là là, j'ai plus de sucre. Terrible, terrible, terrible. Ok, bon, je crois que j'ai pas mal à manger pour tout. Et bonsoir, je sais pas à qui tu es, mais bonjour. T'as du monde ce midi, mais t'inquiète, Tex. Hop, j'ai qu'un donut. Je sais pas à qui je vais le donner, mais j'ai un donut. Et ils sont mes... Elles sont là, mes salades. Et j'ai du riz au lait. Nickel. Bon, bah c'est nickel. Hop là. Oh, mes petits Bane! Oh non, Bane, il va être tout triste! Il est célibataire. Salut toi. Coucou toi. Ça va? Ouais. C'est T'as bien quoi moi tout cuisiné? derrière? C'est un monsieur qui a pris le mur. Ah. Il a un petit peu loupé son virage. Ah. Donc il a fait une petite sieste. Hey. Il est posé. Est compliqué. Faut vraiment que je change de tenue pour ce matin parce que ça va vraiment pas être pratique ici en... Possible. Alors on va aller faire les boutiques à l'heure vite fait. On va aller faire les boutiques vite fait, ouais. Faut qu'on aille dans un sub. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh. Par contre, faut que sa moto. Ouais. Oui. Genre, vraiment, faut qu'on la bouge. Tiens. J'en ai fait qu'un, Merci. que pour toi. Mais c'est trop mignon. Ah oui, attends, si, j'ai ça aussi. Merci beaucoup. Voilà. C'est gentil. Tu veux aller au sable du coup? Ouais. Allez. Let's go. C'est quoi comme auto? Badger. On la bouge pas? Elle va se faire défoncer. Hein. Tu crois qu'on peut la bouler? Ah oui. Oh bordel. On peut pas. Elle va se faire défoncer. Désolé. Pourquoi désolé? Ah, ce bruit, cette couleur. Alors dis-moi ton avis sur la couleur. Bah, moi j'adore. J'adore l'orange et j'adore le côté mat. Donc moi tu m'as conquise avec ça. Hein. Vous voyez, j'ai pas de... Nickel. Tu l'as faite quand cette couleur? Ce matin. Ouais, cool. Et coucou Louloute, comment ça va? Ah oui, non, mais les PNJ. Mon oncle vient manger et m'aider à finaliser. Eh ben écoute, profitez bien. En vrai, ça va être cool de finaliser tout ça là. Ce petit PC là. T'as bien dormi toi sinon? Ce petit PC! Oui. Trop cool. On a ri comme pas possible hier soir. On a ri Ah comme ouais. pas possible. Oh là là là. Je vois la différence. Hein. La pauvre. La pauvre Anya, alors je sais, c'est pas à moi de culpabiliser là-dessus, mais je lui ai mis trop de pression. Et c'est mis trop de pression. Et là, toutes les deux, le fait qu'on sache qu'on ne se repostule pas, mais genre, on n'en a plus rien à foutre de tout! Du coup, c'est la pression qui lâche là, nickel. Non mais c'est bien, ça vous fait du bien moi de vous Non, détendre, mais c'est juste passer des bons que. moments. Ouais. À un moment donné. Oh, je sais ce que je vais mettre, moi. Ah. Oui. Un jean que j'aime beaucoup.
et que je mets jamais. Ah voilà. C'est pour ça que t'aimais pas les jeans. Oui, mais parce que justement, je les mets jamais parce que j'ai jamais l'occasion de le mettre. Voilà, c'est l'occasion. Nickel. Et du coup, je vais changer de haut. Ah. T'en penses quoi? Blanc ou noir? Ouais. Noir, je dirais. Ou tu mets le blanc pour me contredire, ça dépend. Du coup, vous êtes bien amusé hier soir. Ouais, vraiment. Bah c'est cool, tant mieux. Ça fait plaisir. Oh, comme je suis galant. Le retour de... Bientôt le retour de Plex. Ouh. T'as dit quoi? Comme je suis galant, je te tiens la porte et tout, t'as vu ça? Ouais, ouais, je vois ça, ouais. Je savais pas que j'en avais besoin, mais... du coup, pas les tout. Bah pour prendre une, ouais, une canne à pêche. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Moi hier ça, je l'ai pas fait trop longue. C'était bien aussi. Mais c'est pas mal. Un peu de repos. Ouais, j'ai un peu plus dormi d'habitude, on va dire. Fait du bien. Même si c'est que une heure ou deux, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Exactement. Regarde, moi j'ai dormi que 6 heures et je suis en pleine forme. Ouais, bah, c'est à peu près, ouais, à peu près le quota de cette nuit, ouais, c'est ça. Mais c'est suffisant, ouais, c'est ça. Ouais. En dessous de 4 heures, ça commence à faire mal. Et... C'est ça. Mais au-dessus de 7 heures, j'en peux plus, moi. Mon cerveau, il va exploser. Bah, c'est ça, c'est qu'il faut. Ouais, si je dors entre 4 et 7, c'est bien. Après, si je dors au-dessus de 7, c'est même pas la peine. Moi, ça me rassure, je suis pas je me réveille jamais. Et en dessous de, ouais, en dessous de 4 heures, ça commence à piquer un peu à la langue. Et qui envoie des messages. Encore lui. Ok. Et Ben. On va être raccord niveau couleur. Il dit ça lui. Hein? Non, Ben me dit on va être raccord niveau couleur. Ah. Pourquoi il me dit ça? Parce qu'il a vu ta voiture et que... Non, je sais pas. Il l'a pas vu, justement. Ah non, peut-être la tenue, ce matin j'avais une veste rouge. Mais c'est les vestes que t'avais hier. Enfin, la veste que t'avais hier, la veste. Ouais. Ah, j'ai fait les mêmes pour homme au pom-pom. Ah, raison. Tu vois, je t'avais dit. Et oui. Donc j'ai vérifié ce matin. Et je l'avais en rouge, mais le problème, c'est que en dessous, t'as pas de t-shirt. T'as que des polos, des chemises, des sous-pulls. Enfin bref, c'est de la merde. Un petit sous-pull en vrai, un petit sous-pull noir. Waouh, ouais, 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 ouais. De quoi? Tu vois des trucs bizarres? Non, 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 non. Je t'imagine toi avec cette veste rouge et un sous-pull noir. Oui, bah voilà. Mm-hmm. Pas de quoi tu veux parler. Bon, lundi soir. Faut que je joue avec les gars, mais. Lundi soir à 22h, il y a la crémation de Larry. D'accord. Parce que lundi soir à 22h, je suis censé aller me battre. Oui, bah oui, c'est ça, c'est qu'il y a les 20 en même temps. Mais... Je vais voir avec eux aussi. Parce que la crémation en elle-même, j'ai pas spécialement envie de la voir. Par contre, se retrouver à un endroit pour pouvoir soit déposer, soit lâcher et cendre. Je vais voir avec eux. Bah oui. Organise ça avec eux. Lewin m'avait dit que je pouvais potentiellement choisir le lieu pour la. D'accord. J'ai retrouvé une photo 2 de février. Ah oui. Bon, dans les vieux souvenirs du téléphone. Apparemment, je suis la première à les avoir pris en photo. Ah oui. Je trouve ça touchant. Bah oui, c'est vrai. T'as ce qu'il faut pour prendre la canne à pêche? Oui, oui, oui. J'ai deux fois. J'ai prévu au cas où.
Il faut que j'en prenne une pour Romy et une pour Ben. Ah oui, bah nickel alors. Ah oui, c'est pour ça que j'ai appelé tout le monde, demander s'ils avaient besoin de canapé, je t'en comment réveiller. On est un peu spécial la soirée d'hier. Parce que... Bon, je sais pas, le mood de pas avoir enfin pas avoir envie de rester avec tout le monde là-bas. Ouais, je comprends. J'avais envie de partir dès le départ. J'étais... Tu sais, cette impression que tout le monde te regarde et que t'as plus le droit à aucune intimité, et du coup, j'avais juste qu'une envie, c'était de me mettre dans un truc souris. Je pense que j'en viens à une saturation, en fait. Ah, c'est ouais, l'impression d'être tout le temps observé au final. Bah, et puis, on va encore être regardé demain, enfin ce soir, avec l'article de merde du Weasel là. Ah, il sort cet article Bah sur. oui. Et ils ont fait un teasing hier soir. Super. Teasing. Demain, enquête exclusive. Préparez-vous, ça va chauffer. Mec, tu vas dire que mensonge sur mensonge. Tu vas t'en prendre plein la gueule par le gouvernement. Je serais toi, je la fermerais, hein, mais bon. J'en prends du coup. Comment? J'en prends deux du coup. Non, tu peux prendre qu'une tour, toi. Ok. Je Moi, j'en ai sais pas. pris deux, ton premier Ben. Oh, ok. T'inquiète. Pas payer les cannes à pêche de Ben et Robbie, quand même. Bah pourquoi pas? Je m'en fous. Je sais. Alors que je retrouve où on doit aller. Alors. C'est bon, on n'a rien oublié, je crois. On a les cannes à pêche. On a mangé. J'ai des antibios, donc au pire ça va. Je pense qu'on est pas trop mal. Ouais. Tu Et toi, t'arrêteras à tu es la là. supérette juste à l'angle avant de que je puisse prendre des boissons quand même, parce que j'ai du chocolat chaud, mais Ouais, on va faire faudrait te du matiner au jus. chocolat. Ouais, un petit jus. Petit jus de pomme, c'est pas mal aussi. Ah, t'es team jus de pomme, toi? Ah, je déteste le jus d'orange. Je déteste l'orange, en fait. Moi, c'est l'inverse. C'est vrai? Ouais, c'est l'opposé. Je déteste le jus de pomme et j'adore le jus d'orange. Merde, on a quelque chose à pas en commun. Oui, c'est une des premières choses qu'on n'a pas en commun, ça, tiens. Ouais, bon, après, ça, il n'y a plus catastrophique comme sujet, on va dire. Ça devrait bien se passer. Tu crois que tu vas réussir à le supporter? Franchement, je sais pas. Ah, ça va être compliqué à vivre quand même. Hein. Ouais. T'imagines au quotidien Oh cette là bataille permanente. là. Qu'est-ce qu'on va Ça va être faire? insupportable. Ouais, ça remet tout en question quand même. Ah bah là. Je pense qu'il. Ouais. Voilà. Dépose-moi chez Falloir moi, hein, parce que. qu'on prenne des décisions là, je sais. Qu'on est bête, c'est pas possible. Ça va, t'es pas trop stressé? Non. Non, ouais, Romy, c'est je la possible. connais. Ben, un peu plus intimidé, oui. C'est bon, il a jamais mordu personne jusqu'à maintenant. Bah, j'espère. Jusqu'à maintenant. Et bonjour, madame. T'en veux? Merci madame. Au pire, tu regarderas dans le coffre, il y a ce qu'il faut aussi à manger. Enfin, il y a des chocolats et des cookies. Si t'as besoin entre deux. Mais je vais poser mes petits riz là aussi. Bon, comme ça servira de garde-manger. Ouais,
Et pourquoi orange du coup sur ta voiture? Alors c'était pas celle-ci, mais la deuxième Komoda qu'on a achetée à l'époque, donc celle de Lyof, était sortie orange. C'est vrai? Ouais, elle était sortie orange mat. Et du coup, je m'étais dit qu'en la rachetant, tu la mettrais comme ça. Un jour, je la remettrai orange en souvenir du bon vieux temps, on va dire. Et voilà. Je pense qu'elle va rester comme ça, parce que j'aime bien. J'avais oublié ce détail de coffret. Le coffret. Ah oui, bah attends, je vais prendre un peu de cookies. Oh, mais j'ai un de ces bordels dans les poches au secours. Voilà. Ouais. Ah, par contre, moi, ça va être. Je vais pas avoir de place pour pêcher. Ah. Bah, j'ai trop de trucs. Pas de sac? Non, j'ai pas de sac, non. Ah. Je pêche pas assez pour avoir un sac. Non, mais j'ai deux cannes à pêche aussi, ça explique pas mal de choses. Attends, je vais voir si Ben, sa voiture est ouverte. Ouais. Salut, Ben, peux-tu ouvrir les lignes, s'il te plaît? Je sais pas. Et hey, salut! Ça va bien? Je, pas, je regarde pas oui. Si les serrures sont ouvertes. Et salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je vais la rouler plus souvent. Hein. Ah ouais? Ah ouais! Peut-être la foule aussi. Si jamais Ben manger, boire dans les deux voitures. Nickel! En soi, j'avais prévu un peu. Putain, ah oui, j'ai. Ah, mais je savais bien pourquoi j'ai autant de. Il y a trois cannes à pêche dedans aussi. Je sais pourquoi j'ai pas. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai des antibios sur moi. Ah oui, t'as quelques antibios. Ouais. Mais c'est les antibios du coup, j'ai oublié de les poser. Et pourquoi j'ai ça, aussi. Du détournement d'antibios, bah, attends, mais je comprends pas. Super. Du coup, maintenant, juste... les lignes, c'est une pharmacie. Il va te faire en rouge. Comme ça, rouge et blanche. Comme ça, si en jamais vrai. Vous êtes malade, c'est mieux, ça passe. Ah ouais, on peut choper de la grippe, on peut y aller. Voilà. Est-ce que j'ai pas fait le connard? En soi, il y a les deux pour au service. Hein. Oui. Il y a 3, 2. Oh. T'as eu Earl? Enfin, il était sur retour de la mine. Ouais. Ouais, c'est ça. Si, ça. Du coup, on a laissé. C'est qui? C'est Kerwan qui est en service, je crois. Ouais, je crois. Oui. Bon, on aurait pu décaler un peu plus sur la gauche, non? Parce que là, j'aurais pêché dans la rouge. Savoir où viser. Qu'est-ce qu'il dit? Décaler sur la gauche parce qu'il vise dans un rocher. Ah. Je vise bien pour certaines choses et pas d'autres. Ouais. Vu comment tu m'as rentré dedans hier. Je t'ai rentré dedans hier. Ouais, hier possible. Je crois que ça retient. De quoi quand on a vu la même doc et que tu lui as dit que tu t'es fait rentrer dans le cul et. De quoi? Hein? Hein? Bah, en fait, pour t'expliquer, ouais, c'était avant-hier. Ben freine un peu fort et j'avais pas fait attention. Du coup, je suis rentré dedans. On arrive au truc au forum des métiers. Et Ben va voir une doc et lui dit ouais, je me suis fait rentrer dans le cul sur la route. Du coup, voilà, il se fait soigner et tout et tout. Et 30 secondes après, je vais voir une doc et je lui dis bah, ouais, j'ai un collègue qui freine un peu fort devant et du coup, je vais taper dans le cul. Et c'était la même doc. Vous cherchez aussi. Ah oui, mais on l'a pas fait exprès. On s'est même pas concerté en plus. C'est ça le pire. On a pas besoin de se concerter pour dire les talents.
dire des conneries, jamais. À l'époque, le matin, je me levais, j'allais me faire soigner parce que avec Emilio, on se battait. Et je disais à la doc, oui, bon, je me suis battue hier soir, voilà. Il venait 5 minutes après et il disait, ouais, on m'a défoncé la gueule hier soir. Et à chaque fois, il disait, oui, on sait, c'est Madame McLennan. Forcément. Les docs du matin, ils en pouvaient plus. Ça va, Romy? Ouais, je veux bien la canne à pêche. C'est toi qui... Elle est dans les leggings. Elle est ouverte? Ouais. Ouais. À Paris, Ben Machin est devant, si j'ai... T'as refait un stock d'antibiotiques, du coup? C'est pas moi. C'est... Ah. Les stocks du gouvernement. D'accord. J'ai oublié de reposer au gouvernement hier soir. Ah, je lui dis ça parce qu'il a jamais d'antibiotiques sur lui. Oui, mais j'en ai fait un stock à la maison, j'en ai 15. Oui, mais à la maison ça te sert à rien. Oui, mais j'en ai 4 sur moi aussi. Ah. Ah non, c'est bon, j'en ai marre de choper 12 grippes par jour, là. J'en peux plus. Et c'est vrai qu'en ce moment ça y va. Oh, ça va, en ce moment ça va. C'est le bonnet, ça je reconnais. Après, c'est le système immunitaire qui s'est développé avec tous les patients. Ah aussi, ouais. C'est bizarre, je tombe malade de plus en plus depuis qu'on est ensemble. Ça, j'ai rien. Super, ça dégoûte. Non, pas avec toi. Ah, ah d'accord. Tu parles de... Du coup, super. Super, ça dégoûte. C'est ce qu'il dit, Ben, c'est franchement... c'est pas agréable. Oh, si c'était avec moi, ça fait 10 mois qu'il tombe H24 malade. Hein. Allô. Je me sens pas visé. D'accord, super. Bah, moi je me sens pas visé du tout. Depuis quand t'es malade? Non. Depuis qu'on se voit? C'est vrai que quand je suis avec toi, en fait, je sors pas de grippe. Ah, tu vois. Par contre, moi je tombe dans les pommes. Oui, mais ça c'est parce que. Ouais. Je vais pas dire le reste de ma phrase, mais voilà. T'es un peu tête en l'air. Quoi. Non. Non. Je suis dans mes papiers, c'est pas pareil. Oui. Mais quand même. T'as pas fait attention. Bon, apparemment c'est pas la première fois. Mais le doc il parle trop aussi là. C'est après qu'il s'est rendu compte de sa connerie. Putain. Oh, moi je me souviens d'une nuit très tard où il a fallu que j'utilise une hache dans une villa. Hein. Ah non, mais cette nuit-là, Romy, tu sais que cette nuit-là, c'était l'horreur en vrai. Je me venais de me disputer avec Tommy qui venait de m'avouer qu'il avait menti au gouvernement, etc. C'était horrible. Et en fait, je me suis tellement pris la tête avec lui que ouais, j'ai complètement oublié de bouffer et boire, quoi. Là, j'étais à l'autre bout dans le nord en train de pêcher et la hache elle fonctionne. Ah non, mais c'est pas grave. La hache elle fonctionnait pas pour le SPD, du coup ils m'ont appelé à la rescousse. Je suis reparti à l'hôpital chercher une hache. Il y avait 70 personnes devant chez moi en plus. Ouais, je crois qu'il y avait le procureur aussi. Oui, oui, il y avait Arthur. Oh, il y avait pas Donovan. Il y avait Blackwell. Ah si, oh bordel, il y avait Donovan. Oui, 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 bah oui, oui. Super. Bah il y avait Tommy aussi, ce groupe. Pardon, je vais pas terminer ma phrase. Ouais, mais... je pense. Ah, t'inquiète, pas besoin de finir, on a compris. 6-7 hein, devant la villa. Comment ça fait du monde? Ouais, ouais, tout ça pour une gouffe qui a oublié de boire, c'est quand même... Et bonjour. Et bonsoir. Moi je rêve de voir Earl en short un jour. Ouais. T'as un short de Mousy. Beau de rêver. Oh pitié, non pas les shorts de Mousy. Avec des tongs. Juste le short de Mousy, des tongs et toujours le même chapeau. Nickel. Ah je crois pas non. Ah c'est pas drôle. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Du coup, c'était le retour de mine, Earl. Non, ouais.
passera son bizutage quand il rentrera au LSS. Nenny. Ouais, d'ailleurs, Romy, il faut que je fasse mon stage SAMS aussi. Oui. On essaie de faire ça la semaine prochaine. Ash, tu fais pas des stages au Gouv? Ah, dépêche-toi. Reste plus longtemps. Il prend goût au stage. Oui, je vois ça. T'es sûr que tu veux vraiment faire un stage paperasse? Je t'en ai fait une petite démonstration hier, c'est pas ouf. Bon, pourquoi pas, hein. Si je peux t'aider sur quelque chose, tu sais que je le ferai. Donc... Après, le dernier stage qu'il a voulu faire, l'entreprise a pété, hein. Je dis ça, je dis rien. Le seul soir où il y est, ça pète. Le soir où je devais faire mon stage, c'est là où ça pétait. Ouais, ok, donc rappelle-moi de ne jamais accepter un stage au gouvernement, d'accord. Ok, ok. Péter le gouv. Bah, wow, tu serais pas le premier à le vouloir. Je suis pas sûr que tu vas venir en stage à l'hôpital du coup. Oui. Quoique, ça sera peut-être le bon moment pour qu'ils agrandissent l'hôpital. C'est ça. Alors oui, oui. Alors ouais, ouais. Et Joseph, non, Ashmed n'a pas l'air d'accord. Non. Alors l'agrandissement si, hein, mais. Dites que je porte la poisse aussi, merci, sympa. Non, tu en parles. En tout cas, quand je suis en bagnole avec toi, oui. Comment ça? Ah bah les deux seules fois où je suis en voiture avec lui, une fois avec mon 4x4 on finit par dévaler la montagne sur le toit. Oh. Et la deuxième fois on se plante à 180 avec sa chiotte orange là maintenant dans un poteau. Je suis monté avec lui hier matin, pareil, on a eu un accident. Mais j'ai jamais d'accident quand on roule ensemble, tu roules doucement quand on est ensemble? Non, pas spécialement. Il se concentre fort. Oui, j'ai l'impression, ouais. J'ai choisi les personnes qui je veux faire mal ou pas. Ouch. Mais l'enfoiré quoi. Aïe aïe aïe. Je vais nous éliminer. C'est de la tentative de meurtre ça. C'est ça. Ça peut aller loin tu sais. Et salut Toa, comment ça va? Putain. Merci pour tes appels Toa, je n'en peux plus à chaque fois, je suis bidonné. T'acceptes quand même toujours de monter avec moi? Qui ça? À toi. Bah avant que j'apprenne que tous tes potes ont un accident à chaque fois qu'ils viennent en voiture avec toi, ça va tout de suite moi me rassurer. Bah super. La confiance quoi. Ouais. Ce sont des faits monsieur. Donc ça fait deux choses ce matin où on n'est pas d'accord. Ouais ça... C'est le début de la fin. C'est le début de la fin j'avoue. C'est vrai que je m'en remets toujours pas du jus d'orange. Bah, c'est compliqué. Toi le jus de pomme, ouais, je suis déçu quand même. Mon type de rupture, ça. Du coup, je suis pas rager d'orange. Elle renforce ton système immunitaire. C'est ça. Coco Râleuse, comment tu vas? Ah, puis hier, j'ai pas eu d'accident. Ah, si, peut-être un petit. Ça me change, hein. Je vais pas mentir, ça me change. J'ai pété le coquille. Ça me tue parce que du coup, je suis pas là pendant quelques jours. Après les élections. Je suis pas là pendant quelques jours pendant le week-end parce que je vais en week-end avec mon chéri et mes parents. C'est un bon moyen pour faire attention en conduisant, c'est rouler en moto. Ah oui, ah d'ailleurs faut qu'on aille voir ça. Tiens, ah oui, faut qu'on aille voir ça, ouais. C'est juste qu'en moto, ça pardonne pas, quoi. Bah c'est ça, donc tu fais 10 fois plus attention. J'ai moins d'accidents de moto que d'accidents de voiture. Ah pareil. Après, je connais bien ma Sanctus, donc j'ai l'habitude. Maintenant, je sais qu'un chat, ça gagne contre un gargoyle. Pardon? Tu vois, je pensais qu'on... Râleuse? Pardon? Ça passe aussi dessus, c'est juste que c'est foutu dans le terreau, quoi. Pardon? C'est foutu dans ma roue avant. Tu veux dire qu'il y a une autre manière? Tu veux dire qu'il y a une autre manière que le F2 pour pêcher? Bah sinon t'as prise de poste, Romy, ça se passe bien? Bah oui, écoute. T'as plein de trucs à faire. Non, ne laisse pas comme ça. Ça ne change pas beaucoup d'avant. Hein.
Oui, il y avait des choses que tu verrais déjà plus ou moins avant. Oui, et bah, par le coffre et les demandes de financement au Gouv, mais sinon. Tous les trucs, je les faisais déjà quand. Comment ça, faut suivre les pages notes? Attends, je regarde ça tout de suite, comment ça? Il faut gratter de l'argent au Gouv. Bah, évidemment. Moi, je ne puisse pas pêcher en service. Bien sûr, toujours plus sûr. Je suis pas sûr que Cash serait d'accord que j'aille pêcher mon service, tu vois. Ah, je parle pour nous après. Pas sûr que je sois d'accord non plus. Je saurai pas. quand je vais voir ta rentabilité, je vais le savoir, t'inquiète. Ouais, est-ce que j'ai été beaucoup rentable? cette semaine compliquée. Ah, qui sait, tu pourras peut-être un jour pêcher en service hein, si mon entreprise passe là. Allez peut-être. Non mais sinon c'est cool, puis on a eu plein de nouveaux médecins là, on a une bonne équipe, tout le temps du monde en service. Ça c'est vrai que c'est bien. Une bonne ambiance, voilà. C'est le principal aussi ça. Ouais. Ils sont motivés, ils ont plein d'idées. C'est primordial même. Trop d'idées même. Ah mais c'est pas plus mal en soi. Pas trop que pas assez. C'est vrai. Non mais il y a des bonnes idées. Ah non mais c'est horrible, maintenant je veux savoir. Et j'ai regardé dans les pages notes, y'a rien écrit. Qui est-ce qui va te lever? Ah oui, on est dimanche, donc oui, c'est possible. C'est quoi que Curie, il a dit qu'il faisait la nuit, hein, donc on va viser. Non, ça bossait tard hier. Hein. Bah, ouais, je sais que c'est plus 1h30, 2h, si t'as rien, il est encore au service. Hein. C'est Thomas. L'équipe du matin, du dimanche matin qui est en train de se lever. Du coup, ils ont recruté combien de personnes pour l'assaut en fait? Là, on est 11. Ça va? Bientôt 12, n'est-ce pas? Je peux venir quand j'aurai mon Ellie? Ah oui. Bien sûr que oui. T'auras même une invitation personnalisée si tu veux. Non, mais j'en demande pas tant. Bah, super. Ah, bon, après, tu fais ce que. Okay. Tu fais ce que tu veux, hein, mais... Si c'est comme la porte tout à l'heure... Comment ça, la porte tout à l'heure? Dans ta voiture. La porte tout à l'heure de ma voiture. Ouais, tu t'en passes quoi. Son endroit est magnifique, mais le seul souci c'est les avions que je n'en peux plus d'entendre. Et ça me rappelle Sunny, ça me. Des vieux démons. Non, ça va, je vivais bien chez Sunny, mais. Mais bon, t'as toujours peur d'en prendre un sur la tronche. Ouais, légèrement, ouais. Je m'en souviens une fois, il y en a deux qui sont crashés en même temps. C'est chaque jour un avion de ligne qui se crache en vide en ce moment. Ah ouais? Ah oui. Attends, je vais t'envoyer une photo. Un avion de ligne, carrément. Non, il y en a qui s'est crashé au-dessus du chantier Occupation, il n'y a pas de temps. Je viens
viens de lire un patch note du 5. Les rédacteurs des annonces du gouvernement ne sont plus le seul à en profiter. Je viens de découvrir que je viens de découvrir qu'on pouvait mettre des annonces gouv maintenant. Merde. C'est con ça. En soi, le mettre sur le plateau du bénis, ça va. Le décharger à la casse à avion, ça va beaucoup moins. Waouh. Ah oui, la vache. Ah, c'est ça tous les jours. On en a au moins une fois par jour. Oh, quelle horreur. Mais c'est pas possible, je suis cruche. Bon, envie, entre les dirigeables, les avions... Le rédacteur des annonces du gouvernement n'est plus le seul à en profiter, mais bordel. Oui, PHV2, je m'en doutais que c'était celle-ci, du coup, râleuse. J'ai regardé, j'ai dit, ça se trouve, c'est ça. L'autre jour, en livraison dans la canoë, c'est un hélico qui s'est planté pas loin de chez toi. Non, mais vraiment, quoi. Je vais tellement me faire plaisir à faire une petite annonce ce soir. Je vais mettre... Il y a peu de temps, il y avait une de mes voitures. Je vais mettre une jolie annonce en vrai. Ça, c'est quand t'es pas doué. Qu'est-ce que t'as foutu ? Là où ils le racontent de la merde. Juste mal, pile ça. Dans la descente pour redescendre à la maison, j'ai eu un mal de tête. Donc, du coup. Elle a foncé tout droit dans l'eau. C'est ça, donc la voiture a continué tout droit. Oui, on a dit ce soir c'est la guerre. Ce soir c'est la guerre contre le. Ah bah 100% c'est la guerre contre... pas contre le Weasel, hein, mais contre certains qui vont signer s'ils osent signer. Ça va être surtout ça la question. Oh, plus de place. Terrible. Allez. Hop. Je sais pas comment on met un masque. Sortir de la ville et aller m'emmener dans le nord. Surtout partant de cet endroit-là, ouais. Juste des... Pour aller rechercher l'embranchement d'autoroute, ouais, sympa. Pas les deux fois, on a escorté jusqu'à la casse à avion avec le camion pompier et l'ambulance, au cas où. Ouais, punis pas le staff, s'il te plaît, Tex. Sois gentil avec le staff. Attends. Ils font leur baptême d'avion. Ah, ils étaient pas très sereins, quand même. J'avoue que la première fois quand on a appelé Chloé en lui disant d'un plateau pour récupérer un avion, elle pensait à un petit avion, elle pensait pas à ce genre d'avion. Quand elle est arrivée sur place... Tout compte fait, je repars. C'est ça, elle dit, vous êtes sûr de vous là? Ah, on peut pas le laisser là, hein. Il le découpe, il l'amène chez nous, on va le fondre. J'avoue. Recyclage. Pardon. Le bonheur. Il fait pas bon prendre l'avion la nuit. Earl, tu veux encore passer ton permis avion? Ouais, t'inquiète. Bientôt, il y avoir un dodo qui va tourner. Alors, bientôt... Ouais, c'est un objectif à long terme, on va dire. C'est relatif, hein. Soon. Ouais, soon. Et toi, tu vas chercher ta vie la semaine prochaine alors? Ouais. Bah j'aimerais bien vendre. J'aimerais bien réussir à vendre quand même ma Omnis. Voilà. Ouais. T'as vu qu'il y en avait une en vente d'ailleurs? Quoi? Oh non, bah je vais jamais la vendre du coup. Il y a Alvaro qui vend la sienne. Ouais, bah Alvaro, oui. Pourtant, j'entends beaucoup de gens qui aiment bien l'Omnis, donc il y a peut-être moyen de la vendre. Hein. Ah ouais? Non, on va voir. Surtout qu'il y en a plus qu'on cesse, donc je sais que j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens... Ah, peut-être qu'il la vend super cher et que c'est pour ça qu'elle est... Ouais, après ça dépend le... Il la vend 300 000. Il la vend à 300, ouais. Ah oui, ouais, non, je vais pas abuser un peu. Enfin, je m'en fous un peu. Si je peux récupérer ne serait-ce que l'argent de la chasse, ça me va très bien. Elle est full, mais... c'est pas... C'est juste histoire que tu te récupères une carte grise. Ouais, puis non, puis... Bah, non, mais en fait, j'ai assez pour m'acheter la carte grise et la Ellie, mais j'aimerais bien avoir un peu d'argent après, quoi. Ah oui.
Minima. Regardez en fond. Là. C'est ça. Mais du coup, comme j'aimerais bien m'acheter un 4. Enfin, je vais pas avoir 4 cartes grises et pas de véhicule, quoi. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme véhicule? Un bateau. Pas prête d'acheter une cinquième carte grise, perso. 250 000 la prochaine. Ah, ça pique. C'est mort. Fort. C'est clair. Pareil, psychologiquement, la cinquième me fait mal, j'avoue que. Ah, déjà 130 000, mais alors là. Ah, déjà la quatrième, c'est ce que je vais dire. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, merci la pêche, hein, parce que la quatrième, c'est les soirées pêche qui nous payent. Ah ouais? Ah bah, on gagnait tellement d'argent que. C'est vrai. Et comme à la fin du service, c'était tous les soirs soirée pêche jusqu'à 2-3 heures du matin, bah forcément. Oui. Par contre, ça d'ailleurs, il va falloir que j'aille vendre un peu parce que là, j'ai plus de place. Oh, elle a pas les taux. Hein. Bah. Ouais. Hmm? Non, ouais. Vous avez pas de sac? Non. Peut-être en acheter en passant, oui. J'ai jamais acheté de sac. Jamais vraiment pris le temps de pêcher non plus. Hein. Ah, j'imagine qu'avec tout le boulot, de toute façon, c'est compliqué de prendre du temps pour aller pêcher. Ouais. C'est comme la APAC. APAC est tombée au moment des élections, des premières élections. Ouais, je n'ai jamais cherché d'œufs de Pâques. Ah oui. Non. Bah non, pile la semaine de campagne et ça s'est arrêté et Mignot est décédé hélas. Donc j'avais pas spécialement le cœur à aller faire ça. Moi j'ai donc, fait une soirée de chasse aux œufs, j'ai fini à l'hôpital. Voilà. Non mais de toute façon tout le monde, enfin c'était le principe, non? C'était pas un œuf. Non, moi j'ai fait plein de chasse aux œufs, j'ai jamais fini. C'est vrai? Ah non. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, râleuse. En fait, mon cerveau, il est tellement canalisé à le faire. Ah oui, oui, j'ai glissé. Ah mais c'est clairement un bon prix. Tu as dû me retomber comme une grosse merde du haut des un très bon prix. On lui a refait sa soirée, je vous vois. C'est parce que je voulais faire des stocks de chocolat, des lapins au chocolat. La date de péremption était très longue. Comme il n'y a pas de chocolat en ville, j'ai fait mon stock avant. Le chocolat, toujours le chocolat. Mais oui, on est dur. Et coucou Polar. Coucou de l'ombre. Quand on va être avec toi et H, on va refaire des stocks de chocolat dans les voitures et dans nos poches. Hein. Chocolat. Je vois pas noir, ce que tu veux dire. Noir. C'est sûr que tu vois pas. Je suis plus team chocolat noir et chocolat blanc que chocolat. Exactement. Chocolat blanc bof, mais par contre, noir, ouais. Ah, chocolat blanc, c'est pas du chocolat, mais c'est bon. C'est crémeux, quoi. Chocolat noir avec un peu de sel. C'est d'enfance, le chocolat blanc. Ah, ouais, tellement. Chocolat noir au piment, bon. C'est bon, pas mal aussi, ouais. Mais mon préféré restera avec du sel, parce que t'es salé. Ce soir, ouais. Non, mais. Chocolat noir framboise. Ça passe aussi. Hein. Bizarre pour des estomacs avec en train du fruit de la réagir. Passion aussi, c'est bon. La tarte chocolat fruit de la passion. Oh. J'ai faim. J'ai fait du riz au lait pour ceux qui veulent. Ah ouais, on peut faire du riz au lait? Du riz au lait? Oui. Voilà, t'as vu, j'avais dit que ça allait intéresser des gens. Moi j'aurais mis riz, lait, sucre, mais. F. Ok. Riz, lait, sucre et F. Et paf, du riz au lait.
sera trop bien. C'est bon, tu vas encore pouvoir annoncer une recette à Elise encore. Yes. Bah, du coup, tu dis quand tu veux qu'on y aille. Maintenant, j'ai plus de place. Bah, voilà. Plus de place dans le panier. À tout de suite, est-ce que vous voulez. Oui, tout de suite. Est-ce qu'on va ramener des choses? Mais non, j'ai plus de place. À tout de suite. À tout à l'heure. Tu te moques pas, toi. Je m'en moque jamais. On va aller à côté chercher ton sac, peut-être déjà, non? Il y a de quoi. Oui, normalement, je crois. Bon, allez, on va remplir. T'as mis ta ceinture? Non. Je te fais confiance? Non, tu mets ta ceinture. Mais non, mais je l'avais déjà mis. Faut pas me faire confiance, tu le sais. On peut pas me faire confiance. Ah, en général ou seulement pour ta conduite? Non, pour la conduite. Non, mais. De quoi? Garde-toi devant, garde-toi dans la. Je te dirai rien. Non, tu vas rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a combien de sacs? Beaucoup. Pas beaucoup, une centaine je pense. Terrible. On remonte quand même un palais tout ou on attend de remplir les sacs? Bah oui, autant qu'on vide, non? Allez. Tout ça pour qu'on soit juste tous les deux. Non. Non, parce que je les apprécie beaucoup. Moi, je me doute, t'inquiète pas, c'est pour t'embêter. Moi, j'espère que tu les apprécies. Oui. Après, t'es pas obligé d'aimer tout le monde non plus. Hein. Alors, t'apprendras très vite que... T'es sociable. Oui. Ah ouais, je savais pas, tiens. Je sais très bien. Non, puis Romy, elle m'a tellement aidé que. Je serai toujours reconnaissante. Alors, ça me fait un peu bizarre de passer du temps avec ma psy, mais ça va, c'est ok. Ça doit lui faire bizarre de passer du temps avec sa... avec la couve, hein, c'est pas mieux. Oui, mais bon, après, je pense qu'elle fait bien la distinction entre les deux. Oui, je pense aussi. Et coucou Alindra, comment t'y vas? Bon, hier, j'étais pas presque, tu me démarres devant tout le monde. De quoi? Non, mais quand j'ai dit j'étais allergique à ta voiture, à la DJ, ouais. J'étais pas presque que tu réagisses comme ça, en fait. Je m'y entendais vraiment pas pour le coup. Ça a été, quand même? Bah oui, ça a été. Un peu surpris, c'est tout. Mais c'était pas méchant. Bah, j'espère, je l'ai pas fait méchamment en tout cas. Je sais. Bah oui, ça va très bien. Heureusement que tu l'as pas fait méchamment, sinon on aurait dû se taper devant tout le monde. Quand même. Oh pardon. Depuis hier, j'ai des envies de me battre là. Je comprends pas d'ailleurs. Depuis hier. Attends. Hier,
il y a 13 heures. Tu vois, depuis 13 heures, là, depuis il y a 13 heures, j'ai lu un truc. J'ai lu un truc, ça m'a vénère. Et du coup, t'es vénère depuis hier. Mais non, mais... Pardon. Tu te rends compte ? Dis-moi. Ils vont publier un truc entièrement faux. Et après, ils vont vendre ces couillons. Et ça se trouve, ils vont vendre et ils vont publier après. Genre, assume zéro, quoi. Ouais, super. Et ça, ça me... Voilà. Ah, c'est chiant, ça. Putain, j'ai un saumon énorme. Voilà. Fait que je le dise. Bon, écoute, t'as le droit de le dire. Je suis heureux de le savoir. Sûr, j'ai rien à vendre. Il te reste une truite. C'est quoi un peu ton sac? Ça veut dire quoi, ça? Attends. Oui. Ah. Vous voulez peut-être conduire? Non, 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 je t'en prie. La bagarre, de ouf la bagarre réaliste. Ça va? Oui, désolé, c'est juste que je sais jamais comment y retourner à ce truc. D'accord. Et salut les yeux. Merci beaucoup pour le follow. Ah oui, Mais oui, sinon ça va. La bagarre, râleuse. Ce soir, ça va être la bagarre. Ça me fait plaisir que tu l'aies. Le gouvernement est au courant que le Weasel va publier un article sur, soi-disant, merci que le... Bien voulu le faire, d'ailleurs. Gouvernement... De quoi ? Je dis merci d'avoir bien voulu le faire, de les rencontrer un peu plus que de les croiser. Ah mais... C'est normal. Bah, t'aurais pu ne pas vouloir. Ouais, ouais, je veux que notre relation reste bien secrète, que je vois personne, que personne soit au courant, que tu ne m'intègres pas à ta vie, que je ne t'intègre pas à ma vie. C'est on reste fou. Que tous les deux. Hop là. T'aurais préféré ça ? Pas du tout. Non. Tu fais l'effort déjà de discuter avec... Bon, tu fais pas l'effort de discuter avec Nolan, mais t'as fait l'effort de discuter avec Nolan avec la situation, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Et du coup, Arthur m'a dit qu'il avait bien vu ton SMS, mais qu'il avait pas pris le temps de t'écrire, mais qu'il a été écrit. Ça va. C'est juste que... Il est en mode, oui, je sais très bien pourquoi il veut me parler. Bah oui, bah alors du coup, réponds-lui. Ah oui, trou du... bah oui. Putain. Parle-moi, bordel. Mais non, mais pourquoi il me le dit pas direct? Mais parce qu'il va pas te dire, hé, hey, bonjour, je sors avec ta meuf, viens, ouais, on discute 5 secondes. Mais bordel, il met les formes, quoi. Oui, bah, il pourrait être direct. Oui, bah, c'est toi qui es direct. En fait, il est tellement direct comme mec qu'il s'attend à ce que tout le monde soit aussi direct que lui. Mais non, en fait. Après, j'aurais pu, mais... Enfin, non, en fait. Ça se fait pas par SMS, ce genre de truc, quoi. Bah... Il m'épuise. Parfois, il m'épuise. Une rupture, ça se fait pas par SMS, bordel. Non. Quoique. T'as déjà rompu par SMS ? Non, mais le coup des jus de pomme, quand même. Non, mais ça va, oui. Bientôt, tu vas m'annoncer que t'aimes pas l'alcool, que... Que quoi ? T'aimes pas le whisky ? Ça, ça va. Bien sûr que si, j'aime le whisky. Moi, je bois que ça, quasiment. Après, je sais pas du tout où ils vont, quand... Leurs champs sont près des silos, justement. Bah, et après, ouais. Et après, les livraisons, c'est des bars. Ouais. Ouais.
Et je miserai pour le nord aussi. On verra bien. J'étais en train de me dire, ah, si tu bois pas de whisky, oui, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'une écossaise qui est pas bourrée au whisky, c'est pas logique? C'est ça. D'accord, super. Les raccourcis, c'est comme un russe qui boit pas de vodka, voilà quoi. C'est pas un russe. Après, c'est le russe que je connais, il en boit, donc en soi. Oui, ça va. Ah non, non, c'est. Même si je tiens plus à la vodka qu'au whisky, mais. La vodka, c'est un alcool de jeune. Pourquoi? T'es en train d'insinuer qu'elle est vieille ou? Merci, je suis jeune, merci hein Romy. Ah, t'es plus jeune que moi donc. Bah oui. Donc non, je peux pas dire que t'es vieille. Ce serait pas logique. Bah, c'est-à-dire que si je suis vieille, tu es quoi toi du coup? Attention. Fossile. Attention. Comment ça, attention? Surtout que, ouais, il est encore plus vieux que moi. Donc... Ah oui, d'accord. Non, donc, je me permettrai pas. Sujet de... sensible. Mm-hmm. Ah, pas du tout. Là, là c'est dans la tête. Il y a l'homme au chapeau qui est en train de frétiller comme un poisson. Il y a son chapeau qui frétille tous. Ça va, Earl? Là, c'est dans la tête. Ah là, avec les 6 derniers mois, j'ai bien pris 20 ans dans ma tête là. Ah. Tu m'étonnes. Hey, pour une fois, Elijah, tu vas être là pendant pour les élections. Ouais, c'est la première que j'ai pas loupée. Super. Alors, tu ouais, vas même pas pouvoir voter pour moi, si ça te dégoûte. Je pense qu'au début, ça va être bizarre. Hein. Au final, j'ai jamais voté pour toi. Si. J'ai pas pu. Comme je voulais pas, mais je pouvais pas. Dégoûté. Choqué, déçu. Ouais. Ah, sauf si pour l'envie dans quelques mois de refaire une campagne. Oui. Oui. Je pense que t'as déjà la réponse. Jamais ne dire jamais. Jamais ne dire jamais. Je préférerais plutôt essayer de trouver des personnes motivées et que je puisse conseiller plus que moi-même m'être intégrée. S'en prendre plein la tête tous les jours, ça fatigue. Les gens se rendent pas compte. Je vais me présenter, moi. Dans 3 mois. On n'a pas encore la liste des candidats, là. Non, demain matin. T'as eu ta prime, Romy? Aujourd'hui. Elle va être contente. Moi, je le savais. Je le savais. Oui. C'est surtout qu'ils n'arrêtent pas tous de nous demander quand est-ce qu'on a la prime. Quand est-ce qu'on a ouais, la prime. Oui, mais je l'ai dit à... C'est à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, H m'a dit, Romy, bon, on va lui mettre un petit peu moins, elle n'a pas beaucoup travaillé, tout ça, tout ça. Bah, au mois d'août, c'est sûr que j'ai moins travaillé. Je suis parti 10 jours en vacances. Ah, c'est ça. Très gentil de ne pas répéter ce qu'on se dit aux réunions. À nos réunions, ouais. Réunion compta quoi? C'était réunion compta? C'était une réunion compta, tout à fait. Mm-hmm. Compta plus plus. Avec supplément, t'as oublié de boire, ouais. Oui, bah ça va. C'est sa fête ou quoi? Non. Ça tous les jours. Ouais, super. T'as l'air vachement traumatisé, tiens. Aïe. T'en as déjà marre, ça y est. Ah là là. Ben, on voit pas la pose à Thomas, il va venir nous contrôler. Mmh,
t'inquiète. Déjà, il va arriver. Il a son permis de pêche. C'est ça. Oui. Oh, je sais même pas, moi. Super. C'est normalement que je l'ai. Tu utiliseras ton immunité gouvernementale. C'est. Ah, si, si, c'est bon. J'ai pas d'immunité gouvernementale. Ça aussi, c'est un mythe. Alors, pas vraiment. Tu te souviens ce que je t'avais raconté lors de ton premier rendez-vous que le FBI me suivait souvent à mes rendez-vous. Tu peux pas expliquer ça? Ah bon? Il y a peut-être une ou deux fois où il y avait le FBI au-dessus de nous, ouais. Tu m'avais parlé d'un truc, oui, à la marina, là, enfin au conseil ce bateau, là, oui, tu m'avais parlé d'un truc comme ça là-bas, où ils étaient là. Ils ont plus de tendance à me suivre. Soit c'est pour ta sécurité, hein. Oui. Mais bizarrement, c'est à chaque fois que je suis seule avec un homme. Ah. Super, c'est rassurant. Ça va, tu t'es pas fait arrêter, tout va bien. Ouais. Mais bon, je sais maintenant qu'il faut que je tente rien contre toi. Et que potentiellement, si je tente un truc, il y a peut-être un mec qui est dans un buisson en train de nous regarder, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on peut. Merde. Rassure-moi, ils vont pas installer des caméras chez moi. Non, t'inquiète, ça devrait aller. Puis de toute façon, dans une semaine, ils vont surveiller quelqu'un d'autre. Mais je me demande s'ils vont surveiller les autres autant qu'ils me surveillaient moi, tu vois. Ouais, on va vite avoir la réponse. Hein. Il reste encore combien de temps en fait? Une dizaine de jours, non? Bah, jusqu'à mardi 24. C'est le 24? Ouais. Soon. Ça approche. Ouais. Je suppose que quand il y a la passation, il y a encore quelques jours pour expliquer à la nouvelle personne qui arrive ou comment ça se passe? Moi je prépare tout en amont en tout cas. Ok. La dernière fois, c'est ce que j'avais fait. J'avais préparé tout en amont et tous les dossiers étaient prêts. Et le soir même, je pouvais sans problème passer toutes les informations. Après, c'est les services qui vont s'en occuper. Ouais. On est pour le coup. Vous avez sacré beaucoup d'informations à connaître, hein, au début. Ça. Il y a des choses qu'on va pouvoir leur expliquer que nous, on a dû apprendre sur le tas, donc pour le coup, ça va être plus facile pour eux. Ce sera plus cool. Ah, c'est des choses qui sont en place maintenant, et ouais. Ce sera plus simple pour eux de se mettre en place. Il y avait un peu tout à faire au début, donc c'est sûr que... Ouais. C'est vous qui avez un peu tout mis en place, donc voilà quoi. Et encore, j'ai un peu une immense loi qui est encore en train d'être regardée et épiée par tous les services. Compliqué. J'attends que ça, qu'on puisse me... Mais bon.
C'est le problème avec les services gouvernementaux, ça prend un peu de temps parfois. En espérant que tu pourras avoir une confirmation avant la fin de ton mandat, quoi. Je suis pas sûr, on verra bien. Voilà, oui. Bientôt les radars. Alléluia. Tous nos permis. Ah putain, moi je suis pas pressé là. Que vous le pensiez ou pas, moi non plus. En soi, c'est pas plus mal. Même si on comme des cons. Oui, non, non, mais puis. On en a. On a surtout fixé des zones. Qui peuvent vraiment être dangereuses pour tout le monde, donc le but aussi c'est de pouvoir voilà donner un peu de réaction. Les gens ils peuvent automatiquement se dire ah, on ralentit un petit peu plus là, ça peut vraiment sauver des vies quoi. Même si j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup énormément d'accidents de voiture, on va dire entre deux voitures, entre des chocs entre deux voitures, mais un virage mal géré ou un. Ça, oui, ça arrive forcément, mais. Il y a quand même des accidents. Sauf quand t'as un drogueur qui roule tellement vite dans la descente, qu'il a envie de faire des sauts et qui vient te percuter de plein fouet. Ouch. Et qui trouve encore le moyen de t'engueuler. Évidemment. Qu'est-ce que tu fais au milieu de ma route? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ta faute. Drogue orange et jaune. Hier, j'ai. Oui. J'ai bien volé hier avec l'inspecteur. Il y en a un qui passe toujours comme un sac à côté de chez nous. Et bizarrement, j'ai pas été blessé, mais par contre, la voiture. Voyant rouge direct. Bah, Elise l'avait foutu en tonneau celui-là, en sortant de l'allée. Il s'est pris un petit coup de barbuche du rebelle et apparemment elle l'a envoyé entre nous. Ah, le truc c'est que dans la grande descente là quand ils arrivent à fond ils décollent carrément du sol donc là il m'a atterri dessus. Bon, c'est vrai quoi. On tous s'enrouler comme des dingues en ville aussi. Ça peut calmer sur certaines zones un peu plus sensibles. C'est pas plus mal. Le Beniz avec leur slam aussi, ils conduisent comme des. Surtout qu'il est ingérable leur truc là. C'est bien, c'est tu ça. Montes à 170, hein, mais tu tournes jamais, tu freines pas. Hein. C'est sûr, c'est marrant à conduire. Hein. N'empêche, je commence à avoir conduit quasiment toutes les voitures des entreprises, tous les camions d'entreprise. J'ai fait Pounder Sunil, Pounder Peace Wasser, le Burrito Peace Wasser, le Slam Band du Bénise. Tu me prêtes ta déti? T'es même pas venu conduire le camion de pompier au forum l'autre jour. Bah oui, j'avoue. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît, Ali? Tu me prêtes ta déti? Du coup. Je peux tester. Bien, ouais. Soit lui gouverneur. Question suivante. Pourquoi tout le monde me dit ça? Vous voulez que je pète un câble, c'est ça? Est-ce que j'ai l'air d'avoir pété un câble en 6 mois? Non, pas du tout. Tu vois? Gouverneur Whelan. Tu disais RH, excuse-moi. Ah, c'est pas moi qui parlais. Ah, je pensais que t'avais parlé. Oh, j'ai dit gouverneur Whelan. Oh non, au secours. Déjà, quand en ce moment il lui faut limite une secrétaire, lui il en faudrait 4 du coup. Hein. Comment ça il lui faut une secrétaire? Il est tout le temps au téléphone, hein. Insupportable. Hein. Pas de quoi tu parles.
Et là, je suis pas au téléphone depuis tout à l'heure. Ouais, ça, à l'aide. Tu l'as laissé dans la voiture, c'est ça? Non. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus trop des piles. Il y passe tellement de temps qu'il n'y a plus de batterie, ouais. Non, ça commence l'après-midi en général, le téléphone qui commence à sonner dans tous les sens. Le matin, ça va, c'est tranquille. Ouais. Ouais, comme tu dis, hein. En vrai, le matin, ça va, je suis jamais au télé. Ah, si, peut-être. Jamais? Sérieusement? Bah, je citerai pas la coupable au matin. Je citerai pas une des coupables du matin. En vrai, non, on est rarement au téléphone en plus. Hein. C'est qui la coupable du matin, du coup? Je voulais sans doute que c'est des doigts, mais on est rarement au téléphone, toi et moi, au final. C'est vrai qu'on est rarement au téléphone. Bah oui. Quand on se voit pas, on est au téléphone, en fait. Donc, On n'est pas toujours au téléphone. Donc, on s'appelle en 3 heures, oui. Mais... on s'envoie des messages aussi. Bon, ok, on est souvent en télé. Tu fais peur, Tex. C'est quoi ton idée? Ah, Marie. T'as cassé aussi. Yes. J'ai déposé ce que je vais garder, tiens. T'es bien calme, Ben? Ouais. C'est dans tes pensées. T'es toujours en mode réveil, là? Mais 3 heures, t'es levé quand même. Ça va. Comme papy, j'ai tu veux garder les trucs, Non, j'ai suffisamment, t'inquiète. Ok. Ouais, j'ai pas encore envie de finir avec 40 plats, là. Tu remplis le frigo. Pire, tu ramènes la GBSF. Déjà, avec tous les crabes, avec tous les onigiri que je vais faire. Et deux diamants quand même. Un seul. Deux aussi. Tu veux des diamants, faut faire venir ici tard de toute façon. Oui, je peux comprendre effectivement. Je sais pas c'est quoi cette chance qu'il y a là, mais c'est n'importe quoi. Il rachète toujours aussi cher les diamants? Ouais, 50. C'est un moment que t'es pas mis cette tenue au milieu en fait. Bah ouais, en plein été, un peu chaud quoi. Oh, c'est un détail ça. Du coup, vous faites la team bonnet avec Ben? Ah, c'est justement pour ça que j'avais coupé mes cheveux. Oui, j'ai encore ce traumatisme de quand tu as coupé tes cheveux. Parce que t'es pas habitué. T'avais dit la même chose la première fois que les couettes. Je te rappelle. On va revenir sur les couettes. T'avais les cheveux comme avant? J'ai eu des espèces de couettes là et après j'avais les cheveux longs. Ok. Toujours connu avec cette coupe-là, donc...
toutes les photos, mais c'est compliqué pour mettre des casquettes ou des bonnets ou quoi, donc... Oui, je vois le genre. Même avec la tenue au SMS, la tenue de cérémonie, avec la casquette, ça faisait... J'avais un trou dessus, avec les cheveux rouges, t'aurais cru un marin avec son pompon sur la tête. Ah oui. C'était formidable. T'as même pas pris une photo, je parie. Non. Oh merde, y'a pas un dossier qui tourne. Ah, des dossiers du SAM, j'en aimais pas celui-là. Oh, par contre, la photo qu'on a prise hier, elle est stylée quand même. Oh ouais, ouais. Ouais. Je l'ai pas envoyé. Je... connu avec cette coupe en fait, je n'ai plus. Ouais, que de la façon. Ça, c'est juste une question d'habitude. Hein. Au début, ça choque et puis après, on s'habitue. Oui, c'est ça. Mais bah oui. T'as plus envie de pêcher ? Prends une petite pause. T'as bien raison. Ah, tu vas passer à la télé, Eddie. Hein? Sur Weasel. Oh non, mais au secours, non, mais oui. Non, je l'ai même pas regardé, je veux pas la voir. Trottoir. Ah non, j'ai ignoré ce truc tellement fort. C'est à 40 secondes si tu veux. Ah non, 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 c'est mort. Je supporte pas de me voir sur une vidéo, donc non, bah, allez. C'est tous dédouanés, c'est tous barrés. Ouais, bande de connards. Tout le monde ouais, c'est ton patron, écoute. Ouais, super, super bande. C'est bien un truc que j'ai horreur de faire, c'est bien ça quoi. J'ai gagné au pire feu de ciseaux, je te rappelle. J'avoue. Mais quoi, tu la prends ou tu la prends? Bah vas-y, vas-y, j'y vais. J'avoue que le rachat il était quand même drôle avec Mike le matin. Qui qu'on veut? Qui veut la boîte? Bah vas-y, j'y vais. Ah oui, vous avez vraiment. Ah oui, non, mais c'était, ça s'est fait sur 30 secondes. Hein. Terrible, on était à... Mike il nous dit ouais on peut se voir dans le bureau, il fait bon bah qui veut racheter? Du coup ben on s'est regardé, on fait bah ah bah allez j'y vais. Et voilà. La décision la plus rapide de l'histoire. C'est ça. Après, je savais qu'on était pour prendre la direction de toute façon donc. Ils savent que c'est ce qu'on voulait. Vu que notre dossier n'a pas avancé. On n'a pas eu suite jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Faut le temps. Oui. Et est-ce que j'ai toujours le dossier? Je connais quelqu'un qui doit l'avoir au pire. Hein? 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 Si j'ai toujours. Je vois pas de quoi tu parles. C'est l'innocente. Oui bah, tu sais, si je pouvais avoir un pouvoir sur cette partie-là, j'apprécierais. Oui, je t'assure c'est pas que... Bon, je te dis ça. Il y a pas touché depuis mai. Bon, ça... Non, c'est là qu'on l'a déposé. Je sais pas plus. 1er mai. Ouais. Oh, ouais, on verra. Moi je trouve que ça manque d'un lieu de rencontre dans cette ville. Ah, c'est ce que je dis que j'ai plus... depuis que je suis arrivé, ouais. C'est bien d'avoir bah, des bars dans toute la ville, mais finalement tu vas acheter un truc et tu t'en vas.
C'est Le problème, ça. c'est que les lieux de rencontre, ça pourrait être des événements qui sont organisés par des assos, mais quand tu vois ce qui se passe Oh, comme incroyable! hier, Ah où il n'y a non, mais absolument je personne. n'en peux plus. Après, quand on a d'organiser, les gens jouent pas Les le gens jeu jouent non pas le plus. jeu, donc C'est ouais, ça. c'est chiant. Mais. C'est que l'association Sourire des Rues, ils font souvent des trucs et ils regardent la dernière fois, il n'y avait pas grand monde. Hein. Je sais pas. C'était tellement pas comme ça à l'époque avec le MLSE. Je sais pas ce qui a changé. Ah bah, à bordel. MLSE, À l'époque des Mio et toi, il y avait des trucs organisés sans arrêt. Bah, c'est ce que je compte reprendre maintenant. Voilà, faut que les gens se réhabituent peut-être. Trop de gens occupés à faire des conneries à côté en fait. Ouais, mais non, mais à l'époque ils faisaient des conneries aussi. Oui, et, à l'époque, ça nous empêche pas d'y aller. À l'époque, c'était eux les premiers à venir en soirée. Exactement. Bah, le truc, c'est que le peu qui organise, c'est toujours des trucs de voiture. Donc, Bah, c'est ça. C'est, si t'es pas fan de course et tout, bah, si t'as pas grand chose à faire. Je laisse ça aux associations de voitures et moi je vais revenir au MLSE et je vais proposer. J'ai déjà 1000 idées. Qui ne sont pas que des concerts ou des trucs de voiture. Des soirées à thème où les gens peuvent venir jouer à des jeux, jouer des trucs, etc. Créer des moments, quoi. Et la seule chose qui m'énerve, c'est les associations se bougent pas à faire des moments spontanés. T'appelles Weasel, tu fais une flash, c'est bon, on est 5 ce soir, on peut se motiver, on invite les gens et on fait un truc, en fait. Sourire des rues essaye, mais pour l'instant, jamais grand monde qui est au rendez-vous, en fait, c'est le problème. Ouais. Et puis même réhabituer les gens, nous, je on sais faisait pas. Les samedis soirs, ça s'est perdu aussi. Ouais, ah je ouais sais. Parce qu'au final, c'était les samedis soirs, mais c'était tous les gens qui pouvaient venir de la ville. Ouais, Là, ouais. Le problème, c'est que généralement, c'est le bordel, donc même si tu prévois de faire quelque chose, il se passe toujours une dinguerie en ville et bah, tout est annulé à chaque fois. Ouais, c'est. C'est compliqué, mais ça serait quand même bon pour le moral de tout le monde, je pense, de tenter de toute façon. Même si c'est du vent au départ, de tenter tout pour le tout pour recréer des liens sociaux, quoi. Comme le samedi soir qu'on avait fait à la pêche la dernière fois, on était quoi, 4-5 du sens. Au final, on avait demandé à GBSF, à tout le monde de venir, et puis. On était combien? On était énormément, hein, ce jour-là. C'est ça, mais c'était spontané. Voilà. C'était un samedi soir, mais c'était spontané quand même, tu vois ce que je veux dire? On l'a fait aussi pour les soirées pêche quand on les organisait. Bah oui, c'est ce que me racontait. C'est ce que me racontait Ellie, oui, forcément. Hein. Bah, du coup, ça permet de rencontrer plein de gens que tu croises pas forcément. C'est ça. Ah, ou des personnes que tu vois juste vite fait sur des livraisons et trucs comme ça, mais on regarde la soirée pissoise il y a peu de temps, on était une bonne dizaine et c'était cool. Franchement, c'était sympa de se retrouver tous. Ah, tu sais, au SAM, c'est pareil, on croise énormément de monde, mais au final, bah, les gens ils viennent, ils repartent quoi. C'est pas ouais, y a pas le temps de se poser. Plus que ça. En vrai, faudrait qu'on fasse un truc SAM, ce GPSF. Faut être sympa. Parce qu'après, avec toutes les entreprises, ce qui est chiant, c'est qu'en général, quand c'est comme ça, les entreprises restent chacune dans leur coin, t'as les effectifs qui restent entre eux, c'est chiant. Tandis que quand t'as que deux boîtes, ça se mélange un peu plus déjà. Bah, faire des soirées inter-entreprises, c'est cool. Ouais, c'est chiant. Ça change un peu, mais bon, ça fait du bien à toutes les troupes, on va dire. Même inter-service, en soi, on pourrait le faire. Hein. C'est juste qu'il faut laisser un service minimum des deux côtés et la fois d'après, ça tourne. Ouais. C'est pas les mêmes qui restent à chaque fois. Et... Parce qu'on a quand même des jours où c'est plus calme que d'autres. Bon, le dimanche soir, c'est même pas la peine d'organiser quelque chose. Le dimanche soir, c'est toujours le pire soir pour nous. À ce point ? Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, Ezekiel m'avait dit à l'époque qu'il était né le samedi soir. C'était pour avoir une soirée détente avant la tempête du lendemain. Je vois. Et Ezekiel avait souvent raison. Il manque beaucoup Ezekiel. Oui, moi aussi. Je me souviens... Ça paraît tout con et c'est que juste une phrase, hein, mais...
J'avais parlé de lui lors de ma dernière élection, en disant que c'était lui qui m'avait porté en politique. Et j'ai entendu quelqu'un dans la foule dire « On en a rien à foutre de lui. On en a rien à foutre d'un mort. » Ah. Vous pouvez même pas imaginer à quel point j'avais envie de sortir de la scène et... Bref. Ezekiel, c'était un râleur, ça c'est sûr. Ah ça ? Mais... Il voulait le bien de tout le monde, en fait. Ouais. Il voulait que tout se passe bien. Il s'est énormément battu pour le SAMS. Énormément. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Hein. Beaucoup. De quoi ? Bah, qu'il y a des personnes, ils sont là, mais ils font beaucoup de choses dans l'ombre, derrière. Ouais. On l'a vu pendant un moment, hein. C'était beaucoup plus carré le SEMS quand Ezekiel était là. Je t'ai connu, je suis arrivée interne quand il y avait Ezekiel en chef de service. Je crois dire que tes calls radio, t'avais intérêt à les faire, hein, parce que sinon je l'entendais. Je l'entendais à l'autre bout de l'hôpital. Mais au moins tous les gens qui sont passés avec lui, ont fait des choses carrées par la suite. C'est ça. Voilà. Putain d'hélico. On l'entendait arriver avec son accent. Vous savez quand il était là. Et pareil, c'est jamais quelqu'un à l'écart. Ah, il supportait pas ça. Il avait la même éducation qu'Emilio, en vrai. Ne jamais prendre les gens de haut. Écoutez. Bon, il avait son avis bien tranché sur les choses, mais... Mais il était juste. Ouais. Les poches. Hein. Pas des jeunes, c'est pas très mal ça. Allez. C'est parti. Niki, si tu veux conduire. Où tu veux. Tu te fais toujours conduire. Toujours. Je cite ton SMS de ce matin. Votre carrosse est avancée. À un moment donné. Prochaine fois, je vais me taire. Du coup, ça te donne pas long pour faire la princesse toute la matinée non plus, c'est bon. Hein. Bah, si t'as écrit littéralement ça. Tu m'aurais dit il y a ma voiture, est-ce que tu veux t'as envie de la tester? Là, let's go. Tu vois. La prochaine fois, je te dirai ça, tiens. Exactement. Là, tu me proposes d'être chill. Moi, je suis chill. T'as bien raison. Et profite. Ça va s'atteler comme matinée quand même. Oui. Mais oui. Des personnes qui comptent énormément pour moi, donc ça peut être que bien. Et de voir les personnes qui comptent pour moi avec une personne qui compte énormément pour moi, bah ouais, forcément ça peut être que bien. Je vais pas dire bah non, c'est nul, vous êtes tous là. Je vous adore tous, mais vous êtes là, c'est... j'aime pas. Ah non. Je vais offrir marqué
Ça fait bien longtemps que H a eu un accident de voiture, d'accord ? Même de moto. Attends, pour aller découvrir un petit peu tout doucement, voir un peu. Oui. Des... Bien leur caractère chacun. J'ose pas trop leur poser de questions. Je suis pas encore. Oui, ça viendra avec le temps. Bah, c'est ça. C'est que la première fois. Bah, puis je pense que même eux, enfin, ils sont pas forcément à l'aise de nous voir encore. Et c'est faux au Gouv, c'est elle qui conduit les autres au Gouv. Bah, je sais pas en fait. De quoi ? Bah, je dis, ils sont peut-être pas encore forcément à l'aise de nous voir à deux, ou voilà, enfin, c'est la première fois qu'ils nous voient ensemble, donc. Oui. Je pense que tout le monde va se détendre un peu plus. C'est ça. Ils ont aussi besoin de. Ah, ils m'ont jamais vu avec quelqu'un, donc oui, forcément. Pardon, c'est un peu tellement bizarre de. Ah. Tellement bizarre de. Attention, il y a un. Ah oh, oui, il est parti. Voilà. Oh, ok, je me fais croquer. Hein. J'aimerais bien que ça soit pas par un. Toi, tu peux par contre. Avec les chats, toi. Hein. Est-ce que je vais réussir à vendre ou comme d'hab, il peut pas vouloir m'acheter mon poisson ? Il faut secouer le sac. Bah oui, mais ça marche pas tout le temps avec moi. Ah, jeez. Normalement, il m'aura acheté quelques-uns et après, il veut plus. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quand je vais trop vite à vouloir lui vendre des trucs. Peut-être, ça le brusque. Hein. Oh, pas de soucis. T'es pas con, là. T'es vraiment pas con pour le coup. De... Une nouvelle canne. Pour la prochaine fois. Je dois en avoir une à la maison, mais. J'étais pas sûr. Moi, du coup, j'ai fini celle qui était à la maison. Il y en aura une toute neuve. Oui. Mais non, Romy, c'est bon. Et si... T'abuses. Super, ça me glisse des billets dans les poches. Aïe, aïe, aïe. T'as vu, moi, j'étais pas lancé rendu... pourtant. Attention, il y a un chat derrière. Tu peux danser ? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi je crois que je vais rentrer à l'appart et aller me poser tranquillou. Ouais, ouais. C'est un peu pareil je pense. Ça roule. Bon bah du coup on se dit. Enfin moi je vous dis à ce soir parce que cet après-midi je serai pas là. Ça marche. Ça roule et merci pour la petite partie de pêche et puis. À plus tard, il y a la prochaine. Et à plus tard, et bien attention sur le retour. Salut. Prudent sur la route. Oui. Et tout le tour. Toi aussi, oui. Surtout toi d'ailleurs. Oui, il y a la carrosserie, ça va. Ouais, mais il y a toi. Je t'attendais venir celle-là. On va où ? Je sais pas. Vendre les trucs que j'ai dans mon sac, je n'en peux plus. Il y a plein de trucs qui traînent dans les poches. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut déraper cette caisse? Oh bordel, je m'en souviens tellement de cette... tellement de souvenirs ici. Ah, t'as peut-être mis des trucs dans la voiture, non? De quoi? J'y ai plus rien dans la voiture. Oh, j'avais mis des truites dans la voiture de Ben. Tu mets les verres quand tu seras mieux. Toujours les mêmes qu'on croise, incroyable. Ah, ouais. Tu m'étonnes pas qu'il a super ça. Ouais.
Bonsoir, monsieur. Je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, mais j'ai changé de métier depuis que je... Enfin, bref. Vous achetez vraiment tout et n'importe quoi. Ah, par contre, oui, vraiment. Selon les seringues usagées, voilà quoi. Tu la gardais ma dent de requin. T'as pas gardé ma dent de requin? Mais si, elle est sur mon collier. C'est juste que je l'ai pas là. Ok. T'étais déjà prête à m'engueuler, c'est ça? Oui. Tu crois vraiment que je vais m'en débarrasser? Je sais pas. Bon alors, où est-ce qu'on va aller squatter? T'as encore un peu de temps devant toi? Quelques minutes, ouais. Des années avant de rentrer à la maison, je t'avoue. Ouais. Enfin, je la fais moins longue qu'hier. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Ah ouais. Ça va bosser cet après-midi. Ouais. Ouais, ouais. Je vais rejoindre ton bureau d'été. Ouais, je sais pas. Sur mon bureau tout court. Ah. Bah, je vais en profiter. Oui, c'est pas fou non plus. Mais ouais. Bah, faut que j'envoie les mails pour prévenir des primes au service public. Faut que je vérifie les dernières lois qu'on a envoyées et que je puisse, voilà, s'il y a des choses à rectifier ou quoi que ce soit. Et puis, bah, la semaine prochaine, elle va surtout servir à, voilà, fixer les derniers dossiers, etc. avant le départ, quoi. Donc, ça me fait tellement bizarre. Je peux t'avouer quelque chose? Dis-moi. Hier, je suis arrivée au boulot, j'ai pleuré. Pendant 10 minutes, j'ai arpenté les couloirs et j'ai pleuré. Ah, c'est normal, c'est 6 mois de ta vie. C'est logique. Ce qu'on disait hier, c'est qu'il y a une partie de toi où bah, ça va te manquer, mais une autre où ça te manquera pas, en fait. Et ça va être compliqué au début, c'est sûr. Ah, c'est mon quotidien, quoi. C'est, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un gros changement de quotidien qui va se passer. Donc, Je sais pas si je vais m'adapter. Mais si. Il y a plein de gens qui voudraient que je sois au SAMS. Oui, mais alors ce que les gens veulent, c'est pas forcément le plus important, c'est toi, tu veux. Ouais, mais je pourrais aider les gens. Putain, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai défoncé une voiture. Ça va? Oui. J'ai eu un gros problème là. Oui. Oh la vache. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va moyennement, mais je crois que tu vas conduire. Oui, ça marche. Ça sera moins dangereux. Oui, ah, je fais ses amours. Oh punaise. Ouais. Mais t'es c'est sûr que ça va? Ouais, oui, ça va. Ouais. Ok. Et oui, tu pourrais être intelligent, c'est sûr, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est ce que toi t'as envie de faire? Tu poses vraiment la question. On pourrait peut-être pas se mettre. Oh, là. Est-ce que tu te poses vraiment la question? Oui, évidemment que j'ai envie d'aider les gens. Oui, ça oui, je sais que t'as envie d'aider les gens, mais... Mais le simple, c'est ce que c'est ce que t'as envie. Je sais pas. Prends un peu de temps pour toi déjà, comme tu l'as dit. Après, tu prends quelques jours pour souffler déjà. Oui, ça c'est sûr. Et toi, t'as le temps de réfléchir à ton avenir.
Déjà, je pense que ça va te faire du bien de te libérer du temps pour toi. J'ai pas l'impression de pas en avoir, tu sais. Regarde, sinon je me serais jamais permise de prendre du temps pour toi. Alors bon, j'en avais extrêmement envie, donc forcément je me suis dégagé du temps pour, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Je prends du temps pour Arthur, je prends du temps pour Nolan, je prends du temps pour mes amis. J'ai passé du temps avec Ella avant qu'elle parte. D'ailleurs, tu pourras m'écrire ce soir quand elle arrive. Oui, oui. Je vais faire un SMS direct. Merci. Parce que c'est pareil, je sais pas quand elle arrive exactement, je donc sais pas. Là, je vais être là. Je vais rester là toute la soirée, je pense. Après, je vais arriver un peu plus tard que d'habitude, mais bon, on verra. Et si elle est là, je te préviens. Ouais. Pas si elle l'a pas fait elle-même. Ouais. Parce que ça m'étonnerait qu'elle t'envoie pas de message. Mais avoir encore plus de temps pour mes proches, oui. Ben, ça sera bien. Je vais pouvoir profiter un peu. Et puis, ça te laisse le temps de réfléchir comme ça, ce que tu veux faire. Ah, je t'ai dit, demain matin, ma lettre est déjà postée. Oui, ça sera déjà une étape. Non, si c'est refusé... On verra bien. Je t'ai proposé un poste à GBSF, oublie pas. Je sais très bien qu'on ne travaillera pas et on ne sera pas concentré. Donc non. Oui, si, on sera très concentré, t'en fais pas. Oui, c'est ça, ouais. À s'embrasser dans les recoins, ouais. 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 Non, les entreprises privées, c'est plus pour moi. Bah, puis, est-ce que ce serait vraiment une bonne chose qu'on travaille ensemble? Honnêtement. Pas sûr. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec ça. Non, mais... Je vais essayer d'argumenter au maximum pour les SHJD. On verra bien ce qu'ils en disent. Et si ça fonctionne pas, j'irai au SAMS. J'aiderai Romy au pôle psy et... Oui. Oh, je suis sûr que ça te plairait. Même si après il y a un côté qui est plus compliqué au SAMS. Ce que Romy me disait, c'est que c'est le fait de... Parfois, bah, tu vas rechercher des personnes que tu connais très bien. Ouais. C'est les pires moments à vivre. Je comprends. Donc ça, c'est... Ouais, c'est la... Savoir que je peux apprendre pour les aider, c'est bien aussi, tu vois. Oui. Oui, ça aussi. Il y aura toujours du RP politique. Alors, ça va pas être H24, mais H n'abandonne pas la politique. Tu te doutes bien, Tex. Et on a discuté hier soir, hein. Ça a été tout le sujet de la discussion d'hier soir. Qu'il n'abandonnait pas la politique et qu'il serait justement... Et que tu vas rebondir. Oui. De toute façon, je vais pouvoir couper mon temps maintenant. Continuer la politique, mais autrement... Il y a toujours force de proposition, force de discussion. Et puis... Je me donnerai à fond pour les assos. Pas toutes, pas tout le temps. Mais... C'est fou, oui. Les gens... Ils associent toujours les MLS à moi et j'ai toujours l'impression que je peux faire quelque chose. Bien sûr. Bien sûr que tu peux faire quelque chose. Et puis je pense que tout le monde sait bien que si tu t'engages dans quelque chose, même dans l'associatif, tu vas faire en sorte que ça fonctionne et t'y investir à fond, donc tout le monde te suivra.
On verra. Parce que tu as proposé des choses régulières, c'est certain. Ouais. De connaissance, c'est ce qui va se passer, tu sais, ça va être... Déjà au niveau communication, ça va être autre chose. Contact aussi, parce que c'est ça qui est le plus important. Une association qui te répond pas... Et qui t'a pas de lien, c'est compliqué. C'est sûr, bah excuse-moi. Ouais, man. Ah putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on est posé dans le nord encore. Tu les mets chez toi? Ouais, c'est bon. Faut que je pense à les récupérer. Ça va. Eh bah si. Ça marche, on va te tuer. Ah bah oui, forcément. Et t'as pas changé de digicode chez toi? Ok, ok. Bon bah écoute, je passe après. Là. À toutes. Ben, il a même peut-être tes antibiotiques aussi dans son coffre. Oh bordel de... Du coup, ils sont chez lui, on va passer les chercher après. Faut juste qu'on y pense. Et vu comme ça. Oui. Faut juste que toi et moi on n'oublie pas d'y passer, c'est tout. Je les ai dans deux jours, quoi. D'accord, tu nous fais confiance, dis donc. Je me fais déjà pas confiance à moi. Ce que j'allais dire, moi je te faisais confiance, parce que moi je peux pas compter sur moi, c'est pas possible. Surtout les mémoires. Mais comme on se ressemble trop, bah forcément c'est compliqué. Ah bah tu les auras dans deux jours alors, hein, désolé. je suis sûr dans une demi-heure on aura oublié. C'est sûr. C'est bizarre d'ailleurs d'oublier des choses comme ça alors que t'as des trucs que t'oublies pas. Même parfois des choses insignifiantes t'oublies pas mais. C'est la mémoire. La mémoire sélective. On peut travailler ça normalement mais. Bah ouais. Il y a la fatigue qui joue beaucoup aussi. Aussi, ouais. Puis bon, tu retiens plus facilement quand le sujet t'intéresse, on va dire. C'est sûr. Je sais que les réunions patron, en général, je retiens pas grand-chose, tu vois. T'en es où par rapport à ça? Non, c'est rien en fait. Pour le moment, j'ai toujours pas la motivation de bosser, de refaire de la mine, tout ça, et des services comme je faisais avant 2-3-4 heures. J'ai plus cette motivation donc, ouais. Compliqué. Je vais pas devenir un patron comme était Nolan ou Mike, de pas être souvent là, pas être avec les équipes. Et là, c'est ce qui se passe un peu depuis 2 semaines. Je suis vraiment très peu avec eux. Parce que, j'ai pas la motivation. Donc, je sais pas si ça continue. De toute façon, je l'arrêterai. Tu t'occupes pas trop des formations, des nouveaux, etc. Non. Non, non. Les formations, j'ai les chefs d'équipe qui gèrent et les adjoints. Okay. Au cas où, mais. Je fais le suivi en général derrière, au bout de quelques jours, c'est moi qui gère pour faire les promotions, tout ça, puis enfin, je check un peu tout derrière. Et puis quand c'est comme ça, je profite de les voir aussi pour faire le point avec eux, savoir comment ils sentent, un peu leur ressenti sur la boîte, s'ils ont des idées, leurs projets d'avenir, toutes les petites choses. C'est le côté que j'aime bien, c'est dialoguer avec mes équipes. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, j'ai l'impression de pas souvent y être et ça m'embête parce que je sais que les gars ont besoin qu'on soit là aussi, nous, la direction, qu'on soit présent avec eux. Il n'y a pas de secret, si la direction est là, de toute façon, les employés suivent, ouais. En général. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi ton idée, MD? Et puis, c'est pareil, la question se pose toujours, qu'est-ce que je veux faire après? Dating. Vas-y, là! Et c'est le gros point d'interrogation, si c'est pour vendre GBSF et...
et derrière, ben, ne pas trouver ma voie, entre guillemets. Ouais. Je sais que je vais avoir de moins en moins envie de me lever, donc pas le but non plus. C'est pas le but non plus. Quand même, j'ai quelques bonnes raisons de me lever maintenant. C'est vrai que les parties de pêche avec tes potes, c'est un peu trop. Y a pas que ça. Mais ouais. Ouais. J'ai une personne à voir régulièrement aussi, que j'apprécie beaucoup, qui compte pour moi. Je me disais que tu passais beaucoup de temps avec Vicky. Arrête de me voler mes idées, j'allais dire, ouais, je ferme bien sûr de Vicky. Je ne vais pas laisser finir ma phrase. Tu me connais trop bien en fait. Mais non. Bien sûr que c'est toi, patate. Ah oui, d'accord. Ça fait une sacrée bonne raison de se lever. Je t'assure que non, hein, mais bon. Pourquoi tu m'assures que non? Ça vaut pas la peine, c'est ça? Dis-la ta connerie. Bah, tu l'as dit. Mmh. C'est très bien ce que j'entends. Bah oui. Et si ça en valait pas la peine, je serais pas là encore aujourd'hui, donc... De toute façon, je sais très bien. C'est acté. De quoi? Que tu me zappes dès que je suis plus couvre. Dès que je suis au chômage. Tu verras. Ça sera la surprise. Ne cherche pas trop, sinon les 2-3 jours qui suivent, je t'envoie pas de message exprès. Ah bah super. Non, je ferai jamais ça. Je note que Ben m'a encore appelé H. Oui, en partant encore une fois. En même temps, quand je parle de toi, je parle en le disant H, donc oui, forcément. Ah non, je parle pas du tout de toi en fait, c'est pas vrai. Non. Si, tu dis quoi? Ah, je dis que je t'ai vu, qu'on a discuté, ben voilà. Enfin, on rentre pas dans les détails de nos conversations, mais voilà. Ils savent avec qui je suis et. Et voilà. C'est normal, non? Ouais. J'ai tu fais partie de ma vie, donc. C'est normal qu'il le sache. Oui. T'as annoncé à qui, quoi? À mes collègues Anya et Tania, hier soir. Ah oui? Anya le savait, je l'avais déjà glissé. Elle a dit à Anya, oui. Ah, je sors avec le roi du barbecue. Super. Ah bah merci. Ouais. Oh, elle était euphorique hier soir. Non mais c'est pas grave en soi. Tu sais très bien que c'est pas le genre de choses que je vais prendre mal. Au contraire. Moi j'ai barbecue. J'aime bien. Et Sean, tu lui en as parlé? Je pense qu'il l'a compris hier soir. Mais oui, je lui ai dit que c'était important pour moi. D'accord. Après, Sean, je lui ai pas vraiment... Je lui ai pas... Enfin, si, je lui ai dit que j'avais plusieurs partenaires et que... Mais... Mais oui. Mais il commence à y avoir déjà quelques personnes au courant. Doucement. Ah, de toute façon, à partir du moment où Nolan et Arthur sont au courant, je vais pas forcément. Je vais pas le crier sur tous les toits parce que voilà, mais je vais pas non plus le cacher, tu vois ce que je veux dire. On va pas se cacher, oui, c'est ça. C'est pas le but. C'est ça.
Mais oui, ça va faire jaser, mais comme d'hab, de toute façon. C'est ça, ça changera rien. Dans tous les cas, ça va jaser, donc. Bon. Si jamais ça jase un peu trop et que tu sens que t'as besoin, de toute façon, tu me le dis. T'inquiète. C'est sur beaucoup de choses. Ça m'énerve. Je trouve ça... Sur cette raison, en fait, les gens peuvent parler, ils savent pas. Au pire quoi, ils critiquent le fait que je vous manipule ou que j'exagère. Ah, ils s'en foutent, c'est pas dans ma vie. Ils trouvent ça horrible, ils trouvent ça anormal, bah tant pis pour eux. Et souvent, ceux qui jugent, c'est ceux qui pensent que Nolan et Arthur sont pas au courant, par exemple, ou parce que... Oui. Ou que je vous... Je vous mens à tous les trois. Ce qui n'est pas le cas. Okay. Non, ce qui n'est pas le cas, et on est même en contact entre nous, donc... Pardon. Voilà. Oui. Enfin, voilà. Les gens pensent bien ce qu'ils veulent. Mais oui, tout ça se saura petit à petit, ça c'est sûr. Après, on va pas faire une flash USB pour l'annoncer non plus. Hein. Oh là, non, c'est bon, vous inquiète. Le Weasel le fera bien, le fera bien avant. Tu sais j'ai appris, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, okay, mais Tommy avait apparemment écrit une lettre anonyme au Weasel sur mes fréquentations, donc le fait que mon frère était Ace, et que j'avais plusieurs partenaires, et que c'était inadmissible, et que j'étais une femme horrible, avec une petite valeur. Après le connaissant, ça m'étonnerait pas de lui. C'est jamais sorti... Jill m'a certifié qu'elle avait jamais rien reçu de ça. Maintenant, ce qui va se passer ce soir me prouve potentiellement que Jill aurait pu mentir aussi là-dessus. Mais il y a quoi que ce soit ? Il y a un procès ? Non. Il y a un article qui sort. Ah, l'article, ah oui, d'accord, ok. Ouais. Putain, j'étais plus du tout sur ça, excuse-moi. Non, t'inquiète. Accessoirement, je crois qu'il y a un procès ce soir, mais pas de rapport avec le schmilblick. Oui, pas de rapport avec ça. Hein. Enfin. Est-ce que ça te dit qu'on aille rechercher mes antibios ? Vas-y, on va faire ça. Tu veux que je conduise, du coup ? Je sais pas, en vrai, ça a l'air d'aller. Ouais, au pire, je conduis comme ça par acquis de conscience. Si t'as envie de conduire, vas-y. Yes ! T'as pas les clés, hein. Bah non, j'ai pas les clés. Je crois que tu les as. Ah bon? Oui. Je t'avais défilé devant chez toi tout à l'heure. Ah oui. Parce que je les ai glissés dans ta poche, t'as même pas vu. Non. Tu me mets là où il vit? Oui, ça serait bien, ouais. Bon, ça, accessoirement, ça serait pas mal. Alors, faut que je me souvienne, du coup. Tu mets ta ceinture aussi, s'il te plaît. Oui, ça l'était déjà mise. Et je te fais confiance, hein. Je suis plein de l'essence, aussi. Ça va aller. Non, sinon je vais le faire, tant pis pour moi. Merde. Tant pis. Ce bruit. Des bisous, Anday. Merci beaucoup d'être passé. Des bisous, des bisous. Non, d'accord.
J'avoue que depuis que je l'ai récupéré cette voiture, j'ai qu'une envie, c'est de rouler avec. C'est un peu pareil avec ma STX. Mais il faudrait que je la foule un peu parce que... Tu vois, ça aussi c'est tout con, mais... Non. C'est que vendre la Omnis, ça me permettrait aussi de foule un petit peu ma STX. Ouais. Merde, j'ai loupé la... Qu'est-ce qui te perturbe autant que ça? Je sais pas. Un jeune homme à côté de moi, je crois. C'est bizarre. Et là, je fais le plein. Ça marche. Il va juste falloir que tu descends. C'est qui ce jeune homme, je le connais? Ouais. Oh, à peine. Tu l'as vu 2-3 fois. Ok. La quatrième, hein? Oh bah. Non, bref, je vais pas finir ma phrase. Mais si, finis la vas-y. Non, il y a quelqu'un que j'apprécie pas mal, oui. Ah. On a déjà discuté. Je sais pas. Saphir, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, c'est une collègue, donc oui. Très bien, oui. J'ai un peu flashé sur elle, c'est pour ça que je lui ai parlé d'ailleurs. Je l'ai trouvé canon et je lui ai parlé. Elle est super cool, Saphir. Ouais. Elle est rigolote. Et là, je suis tombée sur une nouvelle interne là. Ouhou. Ah ouais? Ouais, elle était très très belle. Qui était là avant-hier? Son nom de famille c'est Rivers. Je connais pas son prénom. Ah oui non, parce que oui non t'as deux Rivers maintenant. Ah oui non pas H. Non c'est pas H. Non. Et oui j'ai entendu parler qu'il y avait deux Rivers, c'était chiant sur l'école radio justement. River et Rivers. Bah écoute. Ah ils ok. Ouais, tout va bien? Ah oui, moi ça va très bien, et toi? Oui, ça va. Mais oui, fonce, hein, écoute. Ouh là non, je... avec Saphir, on a déjà discuté, on a décrété que... On se plaisait beaucoup, mais que... Il n'y avait rien à voir. D'accord. Pas la tête non plus. Ah bah non, non. Comme d'habitude. C'est, je fais au feeling. Hein. Ah, je sais bien. J'ai pas décrété que j'avais envie d'être avec toi. J'étais juste. Dragué fortement. Hop, bordel. Non, c'est ça. Dragué fortement, non, ça l'air encore en vrai. Bon. Ok, tu m'as un peu cherché. Je t'ai peut-être un peu cherché aussi. J'aurais jamais pensé que tu aurais pu t'intéresser à moi d'ailleurs. Parce que j'ai des critères, tout le monde au courant, c'est ça ou... Non, non, c'est juste que. Voilà. C'est par là? Pas forcément, ouais, c'est juste là, c'est dedans. J'arrive.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, y a rien de grave pourtant. Yep. Allez, let's go. Attends, je prends un peu avant. Hop. Comme c'est... Merci beaucoup, oui, monsieur. Mais de rien, madame. Hop là. Allez, let's go. Tu vas rentrer du coup? Mmh. Quand tu rentres? Ouais, j'ai pas pris la bonne route. Attends. Oh, je sais pas. Je me ramène chez moi du coup. Ou alors non, on va aller au casino. Et comme ça, je vais monter direct au go. D'accord. Bon, tu vas te faire contrôler. Tu vas te faire contrôler. Sûr, je vais me faire contrôler. Oh, c'est bon? Eh non, même pas. J'ai des croquets. À chaque fois, je me fais contrôler la commode. Je contrôlais pas, j'hallucine. Eh non. Terrible. Après, ouais, d'habitude, elle est plus foncée, donc peut-être ça aussi. Franchement, on aurait pu. Hein. Bon, tu roulais pas si vite que ça après. Je roulais à 95, tu vois, mais bon, je suis quand même passé vite au-dessus d'eux, tu vois. Normalement, elle est là. J'ai bien dit normalement. Oui, on vérifie quand même, mais. Échec. Je les ai pas volés. Mais tu l'as pas récupéré hier justement quand on est venu ici. Attends. J'ai une voiture au cou. Elle est où mon Omnis? Les trois sont là-haut. Tu veux qu'on aille voir? Non, on va aller voir en bas à côté du SAMS. Désolé. Hop. Mais non, c'est pas désolé. Plus important, t'es contre ta voiture. Mais je sais jamais où je les fous. Avant, j'avais un petit calepin. Mais oui, avant, j'avais un petit calepin où je notais. Voilà, ma voiture, je l'ai garée là. Et je veux en acheter une quatrième. Non, mais sérieusement. C'est pour ça que ça m'a saoulé. J'ai acheté la quatrième place pour la maison. Ouais, je vois. Et bon, nous on est deux quoi. Ah oui, c'est parce que ça a pris beaucoup de place à acheter. Alors, verdict, et si c'est pas là, bah... Tant pis, hein. Alors... Bah je sais pas. Elles doivent être toutes les trois là-haut. Non mais elles doivent être toutes les trois là-haut en vrai. Tu veux qu'on aille regarder quand même? Bah voiture. Au pire oui, si tu veux bien, si t'as 5 minutes que je monte au bout. Si je te le propose, c'est que oui. Oui. Et ne me dis pas désolé, s'il te plaît. Mais c'est ma... C'est mon mot préféré. Oui mais quand même. Comment je fais moi après? Je sais pas. Je suis désolée. Je vais mourir si je dis pas ce mot. Vas-y, dis-le. J'apprends tellement la soirée. Ça va aller. J'ai confiance. Sa sœur ira bien. Elle ira bien.
J'espère. Bah, c'est encore plus compliqué en sachant que je les connais, enfin je connais sa famille en plus, comme j'avais été passé quelques jours là-bas. Ah. Mais c'est un CD de passage. Même quand tu fais ta relève, c'est mignon. Arrête, son cul. Bonjour. Enlève toute crédibilité. Est-ce que tu crois que t'en as encore avec moi? Oui, d'accord, super. Bonne ambiance. Parce que je suis encore crédible à tes yeux. Avec tout ce que t'entends sur moi. Non, je note que tu prends soin de moi en n'ayant pas de... En n'ayant pas de quoi. D'accident quand je suis là. T'as vu, ça n'empêche. Alors. Ah bah oui. C'est bon, tes voitures sont là. Mes voitures sont là. Bah voilà. Mystère résolu. Mystère résolu. J'ai plus de place à la maison, il n'y a que les voitures de Nolan. Mince. À fin niveau timing, je vais être un peu short, sinon ça y est, on aurait ramené une voiture de Nolan ici. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On peut plus, de toute façon, Nolan ne travaille plus ici. Oui, en plus, c'est vrai. Le garage. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas un garage d'entreprise comme les autres. Nous, on peut rentrer n'importe quel véhicule dans un GBSF. Ah si, on peut rentrer n'importe quel véhicule, c'est juste que je veux pas. Oui. Je vois. Bon, en tout cas, merci pour ce matin. Merci d'avoir bien voulu rencontrer les personnes qui comptent pour moi. C'est normal. Merci de me les avoir présentées. C'est normal. Encore une fois... Faut bien que les personnes qui nous entourent le sachent. Oui. J'espère qu'ils n'ont pas fait trop de... commentaires. Non. Non, plutôt. Ok. Tant mieux alors. Je m'embêterai. Je vais pas ça... Puis c'est... Ils sont comme moi, le temps qu'ils me voient... Tant qu'ils me voient heureux, ça leur va. Ok. C'est tout ce qui compte. Mais c'est pareil pour eux, tant que je les verrai heureux, ça ira. Peu importe les décisions. Donc non, y a pas de jugement vis-à-vis de toi. Ça marche. Bon, allez. Je te raccompagne à la sortie. Ouais. Allez. Non ! Ah, pardon. C'est esquive, je vois ça. Non, pas vrai. Si. Non. Je note. Tu vas en avoir des notes sur moi, dis donc. Vas-y, fais les traces dans mon garage, je te dirai rien. Elle s'ouvre celle-là ou pas? Oui. Ah si, ça, elle s'ouvre. Quoi, j'ai pas fait de traces dans mon garage? Ah si, t'as fait des énormes traces. Bah, je nettoierai. Oui, t'as raison, oui. Je vais venir avec mon petit balai. Je vais venir laver. Ah ouais, je veux bien voir ça par contre. Vas-y. Je te dépose là. Non, je vais bien au garage, enfin à l'entrée, je vais fermer. Ah oui. C'est pas ouvert déjà. Vas-y. Retente. Voilà. T'as refermé, c'est bon?
non? Ah non, mais je vais rester ici, t'inquiète. Ça marche. Allez, file. Ouais. Ou pas. Bon. En tout cas, prends soin de toi. Prends soin de toi. Merci encore. Et puis... Bah non, merci à toi. Et puis on se voit. Enfin, on se voit ou on s'écrit ce soir. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je t'embrasse. Moi aussi. Bon, allez. Est-ce qu'on ne terminerait pas tranquillement le midi? J'avoue que je vais faire un peu de paperasse, etc. Donc ça va pas être intéressant en live. Il va pas y avoir grand monde, on est dimanche. Donc je vais juste me poser. Allez, Ash, on se dépêche. Terrible. Du coup, Jack, quitte ça, et c'est parti. Comme d'hab, quoi. Mais non, mais la paperasse, c'est pas possible, Tex. Là, ça va vraiment être de la paperasse, c'est même pas de la création de machin, c'est juste de la paperasse. Donc, je vais faire ça chill avec une série à côté, posée, et puis... Je vous dis, si je fais ça vite, en vrai, dans l'après-midi, on va se lancer un jeu. Je sais pas lequel encore. Je vais voir. J'avais vu Dordogne qui me donnait envie et qui avait l'air un peu genre été, etc. Et je me dis que vu le mauvais temps, etc., ça pourrait être sympa de faire ce jeu-là. Ou sinon, ça va être du Red Dead. Se balader un petit peu dans Red Dead. Ou la sieste. Donc on verra bien. On verra bien. Et sinon, du coup, ce soir. Ce soir, la grosse soirée. Hein. Dans la vie personnelle de H, il y a du coup Ella qui revient et qui a potentiellement une mauvaise nouvelle, qui est potentiellement de partir. Et dans le monde professionnel, comment vous dire? Que ça va être compliqué, parce que ce soir sort le fameux article et selon quand ils le font et comment il est fait, voilà, ça va être sympathique à gérer. Mais comme on le sait en avance, ça va, les personnages vont pas être en mode « What ?» Donc on se tient prêt. Je vous dis... Bon après-midi. Peut-être à tout à l'heure, dans 2 heures, peut-être pas. C'est pas compliqué, faut taper. Merci Tex. Mais enfin, dans tous les cas, bon après-midi à vous. Bon appétit à ceux qui vont manger. Et puis, à plus tard. Ciao! Je vous emmène chez Pepero. Il est en stream. Je vous emmène vers lui. Des bisous.